Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que vous connaissez bien sans doute, qui est Patrice Godin, ethnologue. Alors, Patrice vit et, et travaille en Nouvelle-Calédonie depuis 1982 et il a effectué une recherche de longue haleine sur la région de Yengen. Alors, il est difficile de le présenter parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il qu vient présenter des, des conférences ici. Donc, je vais peut-être me borner à expliquer que quand on tape son nom dans le catalogue de la médiathèque, il y a maintenant près de 70 références qui émergent. 70 références qui sont autant de, de livres, d'articles et de conférences précisément, qui nous laissent penser qu'effectivement, sa connaissance du monde Kanak est relativement élevée. Et que c'est la raison pour laquelle il a été sollicité depuis de nombreuses années maintenant pour effectuer des formations, en particulier à l'IFAP. Depuis peu, il est maître de conférences en anthropologie sociale à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Il essaye de former des, des étudiants dans cette discipline qui manquait cruellement en local, si je puis me permettre. Et il a décidé ce soir de s'éloigner un petit peu de sa, sa région de prédilection, l'Erotmawap. Pour nous présenter la diversité des sociétés océaniennes. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la chance d'être là ce soir et qui, malheureusement, nous auraient préféré la conférence organisée par l'Université de la Nouvelle-Calédonie, euh, sachez que cette conférence est enregistrée, qu'elle est disponible très vite en audio sur le site de la DCK, rubrique rencontre de la médiathèque. Et puis il y a ce monsieur qui est juste devant moi. Qui filme pour la chaîne Caledonia. Euh, donc la conférence sera visible sur les antennes de la chaîne et sur leur chaîne YouTube à une date que, que eux seuls maîtrisent. Donc je ne peux pas vous dire ce soir ce qu'il en sera. Je peux juste vous dire, et je crois qu'elle est dans la salle, que très vite, samedi, si j'ai bonne mémoire, sera diffusée la conférence qu'on avait organisée avec Caroline Gray. Vraiment donc ce week-end si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Alors ce soir, Patrice euh, essaiera de, comme il en a l'habitude, de nous expliquer des notions parfois complexes, avec une, une clarté euh, telle, n'est-ce pas, qu'il a euh, un certain talent, enfin moi je lui reconnais un certain talent, et je pense que vous êtes plusieurs dans la salle à lui reconnaître aussi, c'est qu'avec lui, en sortant, on a toujours l'air plus intelligent. Et j'ajouterais à la fois d'esprit et de cœur. Voilà, ça c'était une, presque une private joke entre nous. Euh, je ne vais pas être plus long. Euh, je souhaite bon courage à Patrice. Et puis surtout, pour les personnes qui ne seraient pas encore au courant, vous aurez la possibilité de débattre avec notre spécialiste juste après, avec un micro qui sera présent de part et d'autre de la salle. S'il vous plaît, manifestez-vous qu'on puisse entendre votre question, non seulement dans la salle, mais à l'enregistrement, pour que tout ça soit complet. Une fois la captation terminée. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne conférence. Bien, bonsoir à, à tous euh, et merci d'être là, puisque effectivement il euh, y a de la concurrence ce soir. Le titre de cette conférence est « Peut-on comparer ?». Je reviendrai après sous le, le sous-titre qui a été donné :« La diversité des sociétés culture océaniennes vue du pays kanak ». Dans le sens où ce titre vient d'une certaine manière un peu infirmer ce que vient de dire euh, Manuel, puisque on va jamais complètement quitter quand même euh, la région Atmawap, puisque elle va nous servir de, de point d'appui, de, de levier. Pourquoi cette question qui peut paraître bizarre, voire euh, saugrenue Peut-on comparer? Est-ce que c'est une question sérieuse quand on sait que, en vérité, dans l'ensemble des sciences humaines et sociales, on n'a jamais arrêté, depuis leur naissance, de comparer. On a comparé tout le temps, et je dirais même que la science que j'ai l'honneur pratiquer est née au XIXe siècle sur une base essentiellement comparative. -à pendant très longtemps, les anthropologues étaient des gens de salon. Qui essayait d'avoir des informations sur toutes les sociétés qu'ils pouvaient trouver et de comparer ces sociétés et d'en tirer. À l'époque, on pensait que c'était possible relativement facilement, à peu de frais, euh, d'en tirer des, des lois sur l'évolution des sociétés. Donc, d'une certaine manière, poser la question de savoir si on peut comparer peut paraître effectivement totalement absurde, même, puisque dans les faits, on n'arrête pas de comparer et on compare tout le temps. Si je vais même plus loin, la, la discipline que je, que je pratique, repose sur ce qu'on appelle traditionnellement l'ethnographie, c'est-à-dire l'enquête de terrain, le fait que le chercheur ne se contente pas de, justement de lire des livres ou de faire des travaux quantitatifs ou même simplement des observations qualitatives, il va vivre avec la, la société qui est son objet d'étude, et là, essayant de comprendre, eh bien, il est d'une certaine manière obligé de traduire, et si on veut traduire, on est obligé de comparer. Que si la comparaison est d'emblée posée pour l'anthropologue dans, dans son travail, puisque étant devant un univers qu'il n'a souvent bien du mal à défricher, il va falloir qu'il essaye de trouver des choses qui, chez lui, ressemblent à ce qu'il voit, des choses de, qu'il voit qui ressemblent à chez lui, et puis petit à petit, bien entendu il essaiera de, de trouver les traductions le plus justes possibles des notions qui vont lui être euh, expliquées, euh, les concepts qui lui permettront de rendre compte le mieux possible de ce qu'il voit. Et ces concepts seront forcément des concepts dans sa langue. Et donc il faudra à la fois qu'il euh, soit capable, dans, à travers la définition qu'il donnera de ces concepts, de montrer en quoi ils sont quand même un peu comme ce qu'il y a dans sa société, et en même temps différents de ce qu'il y a dans sa société. Donc d'une certaine manière... Euh, comprendre penser c'est comparer et en anthropologie peut-être plus que dans toute discipline alors pourquoi tout d'un coup cette question euh, m'est venue lorsque manuel m'a dit euh, est- ce que tu veux parler cette année et, et de quoi elle est venue du fait que euh, après euh, bien des années de travail ici euh, à partir de 1982 83 euh, où j'ai commencé à travailler dans la région d'ingen élargissant parfois un peu mon périmètre de recherche sur les sociétés voisines, mais restant donc dans la fameuse ère Otmawap, c'est-à-dire le nord de la Nouvelle-Calédonie, on peut dire que je travaillais sur une société ou un ensemble de sociétés ayant une culture qui est toujours à peu près la même, avec quelques variantes locales, mais une même culture, et qu'à un moment donné, ben forcément on se dit pourquoi travailler sur cette culture, qu'est-ce que ça apporte, et la question de la comparaison se pose. Et à ce moment-là, on se, on se met, bien entendu, à, à, à relire un peu les, les classiques, ou, ou pas d'ailleurs, les, les ouvrages de sa discipline, qui sont des ouvrages comparatifs. Et là, d'une certaine manière, euh, j'ai éprouvé, en le faisant, une extraordinaire insatisfaction. Et c'est de cette insatisfaction que je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Non pas que j'ai forcément trouvé absolument... La recette euh, 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 parfaite pour euh, en sortir, mais j'ai essayé essayer de vous expliquer, un, ces satisfactions, et deux, de vous expliquer pourquoi, euh, à partir de cette satisfaction, j'ai essayé de trouver des chemins et comment j'ai essayé de trouver des chemins pour sortir de la comparaison telle qu'elle était et est encore le plus souvent pratiquée dans les sciences sociales pour essayer d'aller vers autre chose, vers une autre forme de, de comparatisme. Grosso modo, si vous voulez, euh, le, les problèmes touchent au, à la question des critères de la comparaison. Comment trouver des critères dont on puisse dire, puisque je suis censé pratiquer une science, qu'ils sont objectifs, qu'ils sont valides universellement, qu'ils sont scientifiques, comment je peux comparer et, 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 et d'abord, qu'est-ce que je dois comparer Qu'est-ce qu'on peut comparer Puis de quel point de vue et, et comment Est-ce que je peux comparer telle pratique avec telle autre La manière dont on se dit bonjour entre les cultures ou la manière dont on va cultiver tel ou tel type de plante Est-ce que je dois comparer des ensembles plus vastes Est-ce que je dois essayer de trouver des, des thèmes transversaux que, Voilà. Alors quand on regarde bien entendu la, les réponses qui ont été données à, à cette première question de qu'est-ce qu'on peut comparer ou série de questions, de quel point de vue, comment, on s'aperçoit qu'on a été tout à limite. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, dans les sciences sociales, on a énormément comparé plein de choses totalement hétérogènes, très très différentes, de plein de points de vue différents et avec des méthodes qui sont parfois toutes différentes parfois même très opposés. Je ne vais pas rentrer dans cette, euh, cette affaire-là, sauf que, et c'est là ce qui m'intéresse, malgré la multitude des axes de comparaison qui pouvaient euh, être utilisés, la multitude des axes de comparaison possibles, on arrivait toujours au bout du compte à un résultat qui était presque toujours le même. Pour dire rapidement les choses, on faisait de la typologie. Premier, premier biais. De, de la comparaison. On faisait de la typologie. C'est-à-dire, grosso modo, on fabriquait des boîtes et des boîtes dans lesquelles on rangeait les différentes sociétés, qu'elles soient océaniennes ou pas océaniennes, et on les rangeait dans ces boîtes. Et ces boîtes permettaient, soi-disant, de faire de la comparaison. En insistant d'ailleurs presque toujours sur les différences entre les sociétés. Ou en insistant sur les ressemblances, mais alors de façon euh, euh, très grossière. C'est en fait des grosses boîtes dans lesquelles on dit ça c'est de la religion, ça euh, c'est de la cosmologie, ça c'est le système de parenté, etc. On fait des, 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 des énormes boîtes. Et grosso modo, il y a deux manières de faire des boîtes, mais qui se rejoignent hein, en définitive. Beaucoup des boîtes que vont fabriquer les, les sciences humaines sont en fait des boîtes doubles, c'est-à-dire euh, on fait deux boîtes et on range les sociétés dans l'une ou l'autre en fonction des critères qu'on a choisis. On a des typologies qui sont dichotomiques et elles sont extrêmement courantes, ces boîtes. Euh, depuis le début de la, de la sociologie. Alors j'en je, je, énumère euh, quelques-unes que je n'aurai pas le temps, bien entendu, euh, de développer. Mais par exemple, dès le début de la sociologie, il y a un monsieur qui s'appelle Tunis, qui est un sociologue allemand, comparatiste, et qui fait une opposition entre communauté et société. Pour dire rapidement les choses, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, euh, dans la communauté, l'individu, d'une certaine manière, est pris. Par une volonté qui l'englobe, c'est-à-dire soumis au groupe, alors que dans la société, au contraire, l'individu aurait toute sa place et il aurait une volonté qu'il qu appelle réfléchie et qui fait que la société apparaît comme une sorte de contrat, de collection entre individus et pas simplement quelque chose qui s'impose avant la naissance à l'individu, mais auquel l'individu construit librement sa, son identité à l'intérieur de la société. Vous avez Durkheim qui va. Euh, Parler de division mécanique ou de division organique du travail. Alors, dans la division mécanique, c'est un peu comme dans la, la communauté de, de Tunis. Eh bien, on imagine que les solidarités reposent sur des liens qui sont des liens mécaniques, c'est-à-dire liés par exemple à la parenté. Les gens étant parents, ils sont forcément solidaires, ça s'impose comme ça. Alors que dans la société organique, on a la division du travail, c'est-à-dire que le développement de l'industrie va permettre une division de plus en plus grande du travail, non plus en fonction de la parenté ou de la localité, mais en fonction des tâches que chacun va établir dans un processus économique où la division s'accentue de plus en plus jusqu'à atteindre dans les sociétés industrielles le sommet de la division organique du travail. On aura plein de traditions comme ça, d'opposition de, 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 comme ça. Par exemple, on va opposer les sociétés traditionnelles à des sociétés industrielles, en fonction par exemple de leur, leur infrastructure techno-économique, avec des gens qui ont essentiellement des moteurs animaux ou humains comme source d'énergie, par opposition à des gens qui vont utiliser des énergies fossiles pour le développement de la société. Vous aurez Soustelle, qui est un grand anthropologue, en dehors d'avoir été un homme politique controversé, qui a opposé culture et civilisation. Les cultures ne connaissant pas, parce que c'est toujours un peu comme ça, la ville. La civilisation, c'est quand on connaît la ville. Et donc, la civilisation là où il y a des villes, et bien entendu, les cultures là où il n'y a pas de ville. Et bien entendu, plus la ville devient le phénomène prédominant à l'intérieur de la vie sociale, plus on est civilisé d'une certaine manière. Il va y avoir des sociétés sans écriture, ou des sociétés avec écriture. Et on dira, là, il y a une sorte de barrage, il y a des différences fondamentales. Alors on pourra offrir des sociétés. À une époque, on imagine, par exemple, les sociétés océaniennes sont des sociétés sans histoire ou des sociétés avec histoire, des sociétés en, sans l'État ou avec l'État, etc. Alors on a ces, 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 ces grosses boîtes et vous comprenez bien que dans ces grosses boîtes, il y en a toujours une, c'est la nôtre, c'est-à-dire les sociétés qui, en fonction du critère qu'on va, on va prendre, bah, elles nous ressemblent en fait ces sociétés-là. Alors que les autres, c'est quand même de l'altérité. Soit parce qu'il leur manque quelque chose, bah, leur manquer l'écriture, ou alors ils sont le contraire de nous. Hein. Nous on favorise euh, l'individu, eux, ils favorisent le groupe. Ou alors ils sont d'une altérité euh, totale, puisque par exemple, ils ne euh, connaissent pas la ville. Et donc euh, voilà. Donc on va avoir des, des, des structures comme ça. Pardon. Ça avance trop vite. Et on aura aussi des, des boîtes qui seront des boîtes plus complexes. Après, il va y avoir des dichotomies. Par exemple, très tôt, on va opposer, après avoir opposé les sauvages et les civilisés, on dira ben, il y a les sauvages, les barbares et les civilisés. Et puis, par exemple, Talcott Parsons, qui est un grand américain, distinguera les sociétés traditionnelles et les sociétés technologiques, industrielles, mais entre les deux, il mettra des sociétés dites intermédiaires. On va fabriquer comme ça des boîtes et on va voir que ces boîtes sont aussi utilisées en Océane. Donc le premier biais, c'est on fabrique des boîtes et ces boîtes d'une certaine manière sont toujours construites par rapport à nous. Et dans euh, cette construction par rapport à nous, il y a toujours un deuxième biais qui apparaît, c'est que bien entendu ces classifications, puisqu'il s'agit de ça, de classer des sociétés, elles ont toujours un caractère évolutionniste. C'est-à-dire qu'il y a toujours une des boîtes qui apparaîtraient comme plus primitives, plus proches de la préhistoire, plus proche de ce qu'il y avait dans l'Antiquité, enfin ce qu'il y avait avant que nous on soit ce qu'on est. Et donc, si vous voulez, il est bien évident que les sociétés où la division mécanique du travail euh, sont des sociétés qui apparaîtront moins complexes, et quand on dit moins complexes, on pense tout de suite moins évoluées, bien entendu, que euh, les sociétés industrielles que là où il y a la ville, c'est plus complexe que quand il y a le village, que quand on a une techno-économie euh, qui repose sur la force humaine et les plantes à tubercules, c'est moins complexe que quand on a une mécanisation de l'agriculture, etc. On est toujours dans cette, euh, dans cette logique de la complexité qui fait que nos classifications ont toujours un caractère évolutionniste, comme ça, qui suppose donc que, d'une certaine manière, les autres, ben, ils ne sont pas complètement... Tout à fait abouti par rapport au processus de socialisation, de civilisation qui est là. Alors, on peut bien entendu prendre tous les gants qu'on veut, euh, euh, essayer de prendre des précautions, mais dès qu'on a fabriqué ces boîtes, j'ai encore jamais trouvé de boîtes dans lesquelles on ne mettait pas les gens en disant, ben eux, ils sont plutôt, euh, bon, ils sont pas encore, ils connaissent pas l'écriture, comprenez. Bon, alors des sociétés qui ne savent pas calculer jusqu'à plus de 5 Est-ce que c'est vraiment des... Voilà. Et on pose des questions comme ça. Donc, il y a un évolutionnisme et l'idée qu'il y a la complexité. Et puis, il y a un, un troisième caractère qui est comment expliquer, bien entendu, les critères de cette évolution. Et là, les critères de cette évolution sont extrêmement intéressants parce que, quand on les recherche, presque toujours, ces critères d'évolution vont être fonctionnalistes ou utilitariste. C'est-à-dire, grosso modo, on va aller chercher du côté des, de la technologie, au sens plus ou moins large, plus ou moins grand, euh, ou de l'économie, de la techno-économie, on va aller chercher les causes premières, finalement celles qui sont à l'origine de cette évolution et de ces transformations. Ce qui aboutira d'une certaine manière à donner un tableau du type que je vous ai présenté ici. Vous avez les trois biais de la comparaison, la typologie, l'évolutionnisme et le fonctionnalisme, et qui, bien entendu, fait que, quand on est face à, à, à des sociétés, qu'on en fait une typologie, ben, cette typologie, elle revient toujours à dire qu'il y a des sociétés qui seraient plus complexes que d'autres. Et, bien entendu, il va falloir comprendre cette complexité. Mais comme les sociétés ne peuvent pas donner une explication elles-mêmes, il va falloir trouver un facteur d'explication. Et alors là, c'est très intéressant parce que, d'une certaine manière, il y a une rupture par rapport à ce que font, font les anthropologues habituellement. Les anthropologues, s'ils sont honnêtes et qu'ils font un travail de recherche sur le terrain, ben, ils vont essayer de comprendre la société dans laquelle ils vivent. Ils vont essayer de comprendre quelles sont les idées, les valeurs qui vont sous-tendre leur, leur vision du monde, leurs normes, leurs pratiques. Ils vont essayer d'être effectivement dans le sens. Et l'anthropologie, c'est fondamentalement une science qui interroge le sens et pour laquelle je vais y revenir. La société, c'est du sens. Et là, tout d'un coup, on s'en fiche du sens. Dans la comparaison, il va falloir expliquer pourquoi une société est pas dans une boîte ou dans une autre, et donc il va falloir l'expliquer. Et là, on va plus du tout être dans la lecture compréhensive des choses. On va être dans une lecture, où on va essayer de trouver des facteurs exogènes, dans le sens où ils sont en dehors de la mentalité des sociétés, des cultures dans lesquelles elles sont des facteurs qui expliqueraient les sociétés. On va les expliquer. On va créer des récits qui ont pour but d'expliquer pourquoi à un moment donné, une société qui n'avait pas l'écriture a inventé l'écriture. Et on va essayer de trouver des, des, des facteurs d'explication. On va essayer d'expliquer pourquoi la ville est née à un moment ou à un autre. Pourquoi à un moment donné, il y a eu de la division du travail. Enfin voilà, on va expliquer tous ces phénomènes d'apparition. Alors quelle est l'origine de l'État, quelle est l'origine de l'écriture, quelle est l'origine de la civilisation, quelle est l'origine de l'industrie, quelle est l'origine de, de l'histoire telle que nous l'entendons, nous, etc. Et bien entendu, eh bien, il va falloir aller la chercher là où euh, on la cherche dans le fonctionnalisme, c'est-à-dire du côté des besoins et des contraintes, qui sont toujours plus ou moins des contraintes matérielles, techno-économiques. Le rapport des hommes aux choses semble emporter d'abord sur les rapports entre les hommes et sur les rapports de sens entre les hommes, pour expliquer les différences entre les sociétés et euh, les différences entre euh, les... Si on appliquait un raisonnement comme ça à l'échelle d'une seule société, ça ne tiendrait pas cinq minutes. Imaginez un raisonnement dans lequel on dirait... Alors, il y a tant de gens de droite, il y a tant de gens de gauche, il y a tant de gens du centre, il y a tant de gens qui s'en foutent et qui ne sont ni du droite ni du centre, etc. Mais on doit pouvoir expliquer ça parce qu'il y en a qui sont plus évolués que d'autres. C'est-à-dire, alors après, vous, selon vos critères, c'est vous qui direz si c'est la gauche qui est plus évoluée que la droite, etc. Et si c'est lié au fait qu'ils ont telle ou telle condition matérielle et que c'est les conditions matérielles qui expliquent les idées que les gens peuvent défendre au niveau politique, etc. Personne ne, ne, ne verrait ça tenir, mais on l'applique au niveau de, de, des sociétés, ce qui donne d'une certaine manière les classifications extrêmement nombreuses qui existent aujourd'hui, euh, ça, ça défie euh, l'inventaire, et qui sont euh, des classifications qui vont conduire toujours et encore à d'une certaine manière hiérarchiser en complexité les sociétés, puisque c'est à ça que ça revient. Cette euh, manière de choses n'a pas euh, épargné l'Océanie. Si euh, vous lisez euh, les grands ouvrages sur euh, l'Océanie, vous trouverez par exemple une opposition massive euh, en Océanie avec quasiment du côté occidental les aborigènes d'Australie, dont le mode de vie qui fait qu'ils sont des chasseurs-cueilleurs vont les faire décrire comme étant des sociétés, certes, qui peuvent avoir une grande complexité, parce qu'ils ont des systèmes de parenté que les anthropologues ont encore du mal à comprendre, ils ont des systèmes rituels extrêmement compliqués, mais d'une certaine manière, chasseurs-cueilleurs, c'est des sociétés simples. Si vous allez travailler chez les aborigènes d'Australie, vous aurez du mal à trouver où est la simplicité de ces sociétés-là. Mais bon, on les pense comme ça. Puis après, vous avez des sociétés de Mélanésie, où la majeure partie de ces sociétés n'ont pas de chefferie, n'ont pas de système de hiérarchie de statut. Et à partir de ce moment-là, on dira qu'elles sont peut-être plus évoluées, puisqu'elles connaissent l'agriculture, n'est-ce pas? Mais en même temps, elles ne connaissent pas les grandes hiérarchies, les grands panthéons mythologiques de la Polynésie. Et à partir de ce moment-là, eh ben, il faut faire une hiérarchie. Et d'une certaine manière, au bas de la pyramide de, de la complexité, il y a euh, les sociétés de chasseurs-cueilleurs des aborigènes, puis après euh, les sociétés euh, de Mélanésie, puis après les sociétés polynésiennes. Euh, ce qui est rigolo parce que si euh, vous, vous regardez ces classifications, bien entendu elles sont savantes, hein. c'est-à-dire qu'il faut vous taper la lecture des bouquins et vous allez vous apercevoir qu'il y a des raisonnements extrêmement sophistiqués pour le mettre, mais d'une certaine manière quand on arrive au bout de la lecture de ces bouquins, la hiérarchie qui va être établie est une hiérarchie qui va se retrouver bien avant que des ouvrages comme de ce type sont là, parce que d'une certaine manière ils épousent quelque peu les préjugés, de la, la, de la société occidentale pour dire rapidement les choses parce que euh, bien entendu dans euh, la société occidentale les rapports de lhomo sont effectivement euh, très très importants et si par exemple on prend euh, l'Océanie et eh ben, on sait très très bien que si nous sommes par exemple pourtant dans des sociétés dites à chefferie, c'est-à-dire avec des ORG, si vous êtes aux îles Loyauté ou si vous êtes à Wallis à Futuna, c'est pas la même chose pourquoi Ah bah ben parce que c'est simple nous avons ici des chefs avec des chefferies et des districts, et à Wallis et Futuna, nous avons des rois. Maintenant, si vous comparez réellement le fonctionnement de ces sociétés-là, vous vous apercevez que ce qui les unit est bien plus important que ce qui les différencie par certains côtés, et que même les différences sont parfois de l'ordre d'une feuille de papier à cigarette. C'est-à-dire que ces systèmes sont assez familles, même si on s'en tient à des aspects strictement morphologiques. Comment se fait-il que tout d'un coup, on ait, nous, des classifications qui vont, du fait de notre évolutionnisme, de notre fonctionnalisme et de notre aptitude à typologiser en permanence, vont épouser systématiquement la vision que nous avons de l'histoire, venir la confirmer. Alors, elles peuvent la complexifier, elles peuvent amener des bémols, des dièses, mais on est toujours dans cette même, même réalité-là. Cet évolutionnisme, cette typologie, ce fonctionnalisme vont se retrouver pour l'Océanie. Alors je ne vais pas rentrer ici, là encore, dans tout le détail, mais pour l'Océanie, je vais vous donner un exemple. Si vous vous intéressez aux formes d'autorité, à l'organisation statutaire des sociétés, eh bien vous vous apercevez que très très tôt, on a classé, parce que c'est ça, on a classé ces sociétés, et on les a classées à partir de critères dont je vous ai dit qu'ils étaient à la fois évolutionnistes et fonctionnistes. L'une de ces premières classifications, c'est une de celles qui a eu sans doute le, le plus grand succès. Parmi les classifications modernes, récentes, euh, c'est celle de Marshall Salitz, très connu, qui, dans les années 60, va opposer, euh, grosso modo, la Mélanésie et la Polynésie sur la base de deux manières très, très différentes de construire le statut social. Il va distinguer des sociétés qu'il appelle des sociétés à big men, des sociétés qu'il appelle des sociétés à chef. Les sociétés à big men sont des sociétés dans lesquelles le statut social n'est pas hérité, comme dans les chefferies. Donc là, il y a une proposition, déjà une opposition, si vous voulez, entre les sociétés qui auraient des statuts acquis, il faut acquérir son statut, il ne vous est pas donné forcément à la naissance, par des sociétés qui seraient des sociétés héréditaires, où le statut serait transmis donc, par voie familiale, notamment par exemple par primogéniture, du côté des chefs. Donc les chefs héréditaires et les big man, eux, construisent leur statut. Et ils le construisent. À travers les échanges. C'est-à-dire qu'ils échangent des biens qui peuvent être des biens alimentaires, des porcs, des, des ignames, des tarots, des patates douces, selon les sociétés dans lesquelles on est. Et il y a des espèces de compétitions de prestige qui ont pour but, à travers ces compétitions sous forme d'échanges, eh de l'emporter sur, c'est comme ça qu'on le présente, sur ses adversaires pour pouvoir acquérir une autorité plus grande. Donc, les big man sont des gens qui, à côté des, des gens qui sont, euh, je dirais, du tout venant, rentrent dans des compétitions de type économique, pour dire rapidement les choses, dans des échanges, en essayant de rassembler des gens autour d'eux. Alors, comment ils font Eh bien, ils vont euh, mettre leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs frères, etc., qui vont les soutenir euh, à travailler euh, autour d'eux de plus en plus, pour pouvoir accumuler des biens. Au-delà des besoins de la famille. Et puis, quand euh, il y aura euh, des deuils, euh, des mariages, des adoptions d'enfants, euh, les, chez les voisins, comme euh, on a besoin à ce moment-là de surplus, il va accepter d'être un organisateur de fêtes, où il va contribuer aux fêtes en apportant, en donnant euh, aux gens. Et à partir de ce moment-là, il va se créer des obligés, c'est-à-dire que le big man se crée une clientèle. C'est la représentation qu'on fait. Euh, Qu'en fait Salins, et créer autour de lui une faction qu'il espère de plus en plus grande, puisque en même temps qu'il crée cette faction, il va rentrer en compétition avec d'autres big man, essayer de les humilier, de gagner en prestige par rapport à eux, ce qui fait que les gens de la faction du big man adverse vont venir se rejoindre, le rejoindre et augmenter la faction, si vous voulez, dans laquelle il était. Donc il fait grossir son prestige, il fait grossir son groupe, et euh, il est comme ça, euh, on lui reconnaît une autorité, parce qu'il est quelqu'un qui se montre généreux. Et là, on tombe sur hein, quelque chose qu'on trouve dans le Pacifique, et euh, ce serait le système de la générosité calculée, bien entendu, hein, du big man, intéressé du big man, qui ferait qu'il construirait autour de lui, donc cette faction de plus en plus grande. Et les big man les plus grands sont des gens qui sont capables de dépasser euh, le, je dirais l'orbite de leur clan, l'orbite de leur village pour essayer de créer des, des unités euh, euh, politiques supralocales dépassant les clivages euh, traditionnels du voisinage et, euh, et, de la, et de la parenté pour pouvoir être des véritables entrepreneurs d'une certaine manière d'échange, des entrepreneurs de fait au contraire bien entendu le chef lui ayant euh, une, 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 un pouvoir héréditaire eh bien, lui serait en train de travailler beaucoup plus sur la capacité, grâce à l'intensification, parce que c'est présenté comme ça, l'intensification de la production, de pouvoir pérenniser son statut au point de devenir quelqu'un qui va centraliser, hiérarchiser la société et créer un modèle très, très différent. Alors, ce modèle a, a eu beaucoup de succès. D'un côté, les chefs, de l'autre côté, les big man, d'un côté, euh, la Polynésie, de l'autre, la Mélanésie, et puis petit à petit, bien entendu, on, on s'est rendu compte que cette manière de classer les sociétés était totalement euh, euh, insuffisante, dans le sens où il euh, ben, y avait des tas de systèmes statutaires, de formes d'autorité dans le Pacifique qui ne correspondaient pas vraiment à la description qui en était donnée. Voire des, 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 des espèces de mixtes, si vous voulez, de ces deux types de statuts avec des sociétés de ce type-là. Alors, ben, les anthropologues se sont lancés dans la comparaison et ils ont inventé, si vous voulez, de plus en plus de subtilités pour construire leur boîte. Et donc, on a eu les sociétés à Big Man, mais on a opposé dans les sociétés à Big Man les sociétés où les Big Man, d'une certaine manière, ne sont que ceux qui sont les entrepreneurs. Du, euh, du clan, c'est-à-dire ils aident le clan à obtenir du prestige et de la richesse, avec les big man qui rentraient dans des échanges supralocaux et essayaient, au contraire, d'élargir. Leur... Donc, deux grands types de big man avec une intensification à la fois de la production, de la technique, etc. On a aussi trouvé qu'il y avait des sociétés où il n'y avait pas de chef, mais où il n'y avait pas vraiment de big man. Et ben, Maurice Godelier, qui. Euh, et un anthropologue français bien connu, euh, et, euh, a travaillé chez les Barouya de Nouvelle-Guinée, et il a proposé un nouveau type de statut, qui est le statut des grands hommes. C'est-à-dire un statut où il ben, n'y a pas de big man, dans le sens où le big man ne serait pas un entrepreneur, mais il y a des fonctions à l'intérieur de la société qui sont nécessaires, par exemple la fonction de guerrier, la fonction de chasseur, la fonction de chaman, c'est-à-dire de guérisseur, etc. Et euh, il y aurait une certaine compétition interne à la société pour pouvoir être celui qui va pouvoir devenir chaman, celui qui va pouvoir tenir le statut de grand homme, celui qui va pouvoir tenir ce statut. Et donc, on imagine ici que finalement, il y a plus simplement des chefs d'un côté et des big man, même si on différencie entre eux, on a des grands hommes, des big man et puis des chefs. Puis il y a un étudiant de, de Maurice Godelier, qui va dire, ah oui, mais entre les grands hommes et les, les, les big man, il y a peut-être une intermédiaire aussi à trouver. Et il va inventer les sociétés à leader. Vous voyez un peu la, la truc entre, Quelle est la différence entre un big man Il veut dire un gros grand homme, un grand homme en français, et un leader. Euh, et donc il va trouver des leaders qui sont des gens qui sont sur la voie de devenir comme des big man. Mais ils ne sont pas encore de vrais big man. Vous voyez ce que je veux dire alors par exemple, il, il crée un modèle, je ne peux pas vous donner la totalité du modèle évolutionniste sur lequel il, il construit sa, 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 sa réflexion, mais il part d'une idée précise, à un moment donné, dans, dans son modèle qu'il construit, en disant, euh, dans les sociétés qui sont les sociétés à grands hommes, on a généralement comme très caractéristique le fait qu'une vie humaine ne peut pas être payée, il n'y a pas moyen de compenser une vie humaine. Autrement que par une autre vie humaine. Ce qui fait, par exemple, que dans beaucoup de ces sociétés à grand homme, la seule technique qui existe, c'est la technique de guerre de la vendetta, qui fait qu'on euh, essaye de euh, faire cette, cette euh, vendetta. Bah, tu m'as tué quelqu'un, je te tue. C'est la loi du talion, un œil, euh, œil pour œil, dent pour dent, etc. Et ces sociétés-là ont du mal, bien entendu, à fabriquer la paix. Les sociétés à leader auraient réinventé un autre type. De, de, de manière de faire les choses en acceptant un substitut pour la vie qui a été perdue, et notamment en faisant que la viande de porc, par exemple, dans les Highlands de Nouvelle-Guinée, c'est souvent le cas, eh bien, on, on, on puisse payer la vie, euh, la, la compensation pour la perte de vie en porc. Et à partir de ce moment-là, il dit à partir du moment où on accepte cette compensation, on va avoir une, une transformation mécanique de la société. Dans le sens où, bien entendu, si la viande de porc permet de euh, compliquer les choses, les échanges économiques vont devenir de plus en plus importants et prendre petit à petit la place en valeur plus importante que la guerre. Et le statut de guerrier va disparaître au profit d'organisateurs de des échanges. Et donc, le leader, c'est quelqu'un qui est encore un guerrier, par certains côtés, mais est déjà... Euh, quelqu'un qui est plutôt dans un organisateur des échanges. Lorsque la guerre quasiment disparaît en grande partie et va être préférée à des échanges compétitifs où la guerre va être remplacée par des échanges, au moins partiellement par des échanges compétitifs, à ce moment-là, le statut de Bingman apparaît. Donc voilà, on fait, des, on fait des, 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 des... Et on a des modèles qui nous expliqueraient donc l'océanie de façon intéressante. Et si vous lisez par exemple... Un anthropologue que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs, qui s'appelle Bernard Vienne, euh, dans un des bouquins qui est sur le présentoir, je l'ai vu tout à l'heure, vous lisez la conclusion il vous parle de systèmes qui sont des types de systèmes qu'il classe comme systèmes à Big Man, et il vous explique que si vous partez de l'ouest du Pacifique et que vous allez vers l'est, ben d'une certaine manière, vous faites un voyage non seulement dans l'espace, mais quasiment dans le temps. Puisque plus vous ariez vers l'Est, plus vous allez vers l'évolution des sociétés, vers des sociétés de plus en plus complexes, et on met les gens dans des boîtes comme ça. Le problème, c'est que bien entendu, toujours, quand il y a des boîtes, il y a des tas d'exceptions. Euh, je ne vais pas vous les donner toutes, mais par exemple, les sociétés Canac rentrent dans le modèle des sociétés à chefferie. Or, si vous prenez les sociétés Canac, bien entendu, on peut compenser éventuellement la vie. Euh, en, en payant de la richesse, mais la plupart du temps, on ne peut pas faire autrement que d'échanger une vie contre une autre vie. Alors ça dépend des sociétés. Si vous êtes par exemple dans la société d'Yengen, se pratiquait autrefois ce qu'on appelle l'échange de sœurs, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un mariait une fille dans un clan, ce clan devait recevoir en retour une femme qui lui était donnée, soit sous forme de véritable échange de sœurs, soit aux générations suivantes. Où une fille de ce clan allait se marier dans le clan devenait sa mère ou devenait une de ses mères classificatoires. C'est-à-dire qu'on trouve dans des sociétés très complexes, notamment en Nouvelle-Calédonie, à Fidji, des exceptions où ben, on ne reconnaît pas forcément le, le remplacement de la vie par quelque chose qui serait. Euh, alors que dans d'autres, oui. Par exemple, si je prends les îles Loyauté, effectivement, on n'échange pas les femmes. Comme on le fait dans des sociétés comme la société Jungen. On ne parle pas d'ailleurs d'échange de femmes, on parle de mariage. Une femme est donnée, et là il y a des richesses qui sont données pour pouvoir prendre la femme. Pourquoi c'est comme ça ben, Si vous lisez euh, euh, la frère en mélanésie de Guillard, vous verrez qu'il donne un certain nombre de pistes qui euh, vont toutes aussi dans des pistes très matérialistes pour essayer d'expliquer pourquoi c'est comme ça. On a l'impression que dès que... On est dans la confrontation des sociétés, que ce soit nos sociétés avec les sociétés des autres ou que ce soit les sociétés des autres entre elles. D'une certaine manière, c'est toujours nous qui servons de modèle et on est toujours dans ce fameux modèle de complexité, de besoin, de contraintes, d'explication par les besoins et les contraintes, l'évolution, etc. Et tout ça est aujourd'hui de plus en plus difficile à recevoir. Difficile à recevoir, d'abord de par la sensibilité contemporaine dans laquelle nous sommes. Il se trouve qu'il y a des colonisations qui euh, a quand même commencé depuis déjà un bon moment. Il y a eu les luttes des peuples, que ce soit les luttes des peuples dans les indépendances, les luttes pour l'indépendance nationale, ou que ce soit la reconnaissance des peuples autochtones ou des minorités, etc. La reconnaissance aussi de la multiculturalité, qui fait que ce classement ou ces classements sont de plus en plus difficiles à recevoir parce qu'ils ont tous comme caractère finalement de hiérarchiser les sociétés, et que la hiérarchie, quoi qu'on en dise, c'est toujours un peu quand même un jugement de valeur. Et on a un peu de mal à accepter ça. Ensuite, parce que les typologies qui sont données, comme je vous l'ai dit, sont prises en défaut. Par exemple, les sociétés du Pacifique, à part peut-être Hawaï, il faudrait essayer de, de réfléchir sont classés comme des sociétés sans État. Mais qu'est-ce que ça veut dire la société sans État Est-ce que ça veut dire que c'est une société sans souveraineté Il n'y a peut-être pas d'incarnation de, de, de la souveraineté, c'est-à-dire de quelqu'un qu'on appellerait souverain, un roi ou quelque chose qui incarne cette souveraineté. Il y a des sociétés où il y a une incarnation dans certaines personnes, ou une classe de certaines personnes, de cette souveraineté de la société, mais à d'autres endroits, il n'y a pas ça. Pour autant, est-ce que la société n'est pas souveraine est-ce qu'on peut faire n'importe quoi sur son territoire Est-ce qu'il n'y a pas un ordre politique qui existe à l'intérieur de cette société Poser ces questions, c'est bien entendu y répondre, d'une certaine manière. Et dès 1927, par exemple, Robert Lowy, qui est un, un grand anthropologue américain, a critiqué cette idée évolutionniste en disant que la notion de société sans État n'avait pas tant. On peut... Développer la structure politique de façon plus ou moins complexe, investir de façon très forte dans cette, euh, dans cette complexité, juste à obtenir des formes d'État-nation sont comme celle-là. Mais d'une certaine manière, les principes de la souveraineté, ils sont déjà présents. Et donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de société sans État. Il n'y a pas de société sans souveraineté. Et donc, il n'y a pas d'apparition de l'État. Il y a en fonction de l'histoire propre à chaque culture. Et là, on ne peut pas se dispenser de faire de l'histoire. Il n'y a que l'archéologie, il n'y a que l'histoire qui peut nous apporter des, des réponses. On peut essayer de rentrer dans cette complexité et petit à petit s'apercevoir qu'à un moment donné, à un tel endroit, on a développé tel type d'institution qu'une autre n'a pas développée pour des raisons historiques diverses et variées ou parce qu'elles avaient au cours des reports pas besoin de cette affaire-là. Et puis moi, personnellement, comme je vous le dis, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que cette façon de classer les choses, si je vous dis que la société yenne dans laquelle je travaille, au moins dans sa forme avant que les Européens n'arrivent, mais aujourd'hui il en reste encore beaucoup de choses, serait une société que je pourrais définir comme une culture communautaire où règne une division mécanique du travail, dominée par la tradition, sans écriture, sans état et avec une histoire essentiellement mythique, autant dire que je n'ai rien compris du tout à la société dans laquelle je travaille. J'ai rien compris de la société yenne. Cette société yéhenne, j'ai essayé de la comprendre en essayant de comprendre ce qui faisait société à l'intérieur de cette société, qu'est-ce qui fait que c'est une société. Et bien entendu, j'ai admis que la société, c'était du sens, c'est-à-dire des choix, des valeurs, des idées qui avaient soutenu les gens. Et par travail de comparaison, ben avec moi-même, j'ai essayé de comprendre petit à petit, d'approcher ces idées. Il me semble que ce travail de compréhension ou... La comparaison est au service de la compréhension, d'une certaine manière, et eh bien doit d'une certaine manière maintenant se renverser et mettre la compréhension au service de la comparaison et étendre la logique qui est celle de l'enquête de terrain en anthropologie. En essayant non plus de euh, euh, se poser la question de savoir dans quelle boîte on va mettre les cultures, mais de partir des cultures qu'on connaît, la sienne et celle dans laquelle on travaille, dont on est devenu plus ou moins intime, on a appris petit à petit, on s'est imprégné de cette culture-là, on a commencé à en comprendre la logique, comprendre la dynamique, son histoire, la manière dont elle s'enracine au sol, et de se dire que ces, ces questions-là, du fait qu'elles sont avec des sociétés voisines, des sociétés dans le Pacifique, ou des sociétés encore plus loin, assez différentes, et en même temps, c'est quand même des sociétés humaines. Ces sociétés-là, plutôt que de nous dire qu'on devrait les ranger dans des boîtes, on devrait se dire qu'elles nous posent des questions. Et d'utiliser la compréhension qu'on a de la différence de quelques sociétés, des quelques sociétés dans lesquelles on a travaillé, comme des leviers, comme des points d'appui pour essayer d'aller questionner la diversité sociale et culturelle qui est la nôtre. Non plus de se dire, ah, oh, pourquoi ils sont différents ben, Ils sont différents parce qu'ils n'ont pas fait les choix, ils n'ont pas eu la même histoire, ils n'ont pas fait les mêmes choix que nous. Ils ont développé d'autres choses et je peux vous dire que toutes les sociétés sont complexes. Mais cette complexité n'est pas la même que la nôtre. C'est une complexité qu'il faut essayer de comprendre, dont il faut comprendre la rationalité et la logique. Et cette logique, si au lieu de vouloir la caractériser par rapport à moi, en la mettant dans une boîte, en disant par rapport à moi, elle est ça, j'essaye de voir comment elle vient questionner. Ma, ma propre société, alors je vais faire un progrès, parce que je vais, d'une certaine manière, être capable de faire évoluer mon analyse des choses en comparant, en me disant chaque société, du fait de sa spécificité, pose des questions aux autres sociétés. Alors, d'une certaine manière, l'anthropologie a toujours fait ça de façon plus ou moins euh, pensée. Je prendrai euh, un exemple assez ancien. On a vu pendant très longtemps qu'il y avait des sociétés qui, à la différence de la société occidentale, utilisaient le mot qui, pour nous, aurait été traduit par père. C'est-à-dire, si je regarde le monsieur, ben, ce monsieur-là, moi, je l'appellerai papa. Et ben, ce même mot, il va être utilisé pour d'autres gens que le père. C'est-à-dire, les frères du père, une certaine catégorie de cousins du père, vont être appelés par le même nom. Alors, comment je peux essayer d'expliquer de, ça ben, Je vais expliquer ça par le fait que... Il y a ce qu'on appelle des classifications et que les sociétés classent et qu'en fait, la manière même dont je parle n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, une catégorie biologique, mais une manière de classer les choses. Et je peux parler de paires classificatoires dans un cas, alors que j'aurais tendance à parler de paires biologiques dans un autre et de contraster ainsi des différences. Et en même temps, chez nous, le biologique va être très, très important, alors que dans d'autres sociétés c'est d'autres choses c'est par rapport à moi il est dans le système de classification de la société dans telle ou telle position d'autres types de raisonnements comme ça ont pu exister ponctuellement par exemple la fameuse coutume qui existe en océanie et en amérique du sud de ce qu'on appelle la couvade vous avez peut-être entendu parler de cette c'est-à-dire que euh, au moins une, une partie des gestes que la femme enceinte fait et, euh, et qu'elle fait à la fois pendant toute la grossesse et puis éventuellement le jour de l'accouchement le père les fait aussi. Par exemple, il suit les mêmes interdits que sa femme, ou il fait des gestes qui sont les mêmes que ceux de sa femme. Alors que, bien entendu, si on pense que l'accouchement et le, la, la grossesse est uniquement un processus biologique, ben, euh, on se pose la question de savoir pourquoi c'est comme ça. Mais on s'aperçoit que dans toutes les sociétés, en fonction de la conception qu'on va se faire de la grossesse, il y a des moments où il est nécessaire que d'autres prennent soin de vous. C'est-à-dire que les rapports sociaux font qu'on prend soin des autres et qu'il y a des gens dont c'est le rôle de prendre soin des autres. La couvade, c'est aussi une manière, si on admet qu'on a une vision de la grossesse un peu différente, de prendre soin d'autrui et pas simplement une coutume bizarre. C'est quelque chose qui, dans une certaine rationalité, s'explique par rapport à, aux soins d'autrui. Donc on peut subsumer des parties différentes sous des mêmes catégories, perclassificatoires, soins d'autrui, pour essayer de comprendre ce qui peut se donner. On peut aussi, en comparant les sociétés, saisir beaucoup mieux certains traits des sociétés dans lesquelles on travaille. Le Monnier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a travaillé chez les Barouillas de Nouvelle-Guinée, en même titre que Maurice Godelier. Et il raconte une chose très intéressante dans un de ses derniers bouquins, qui vous expliquera un peu les choses. Chez les Barouillas, il y a une sorte de fétichisation des barrières qui servent à enclore les parcelles où on cultive du tarot. Euh, dans le sens où ils sont très fiers de leurs barrières, dès qu'ils vont visiter des voisins et dire oh, oh là là, dans cette société-là, ils savent pas faire des barrières, c'est triste de voir comme ils savent pas faire leurs barrières. Et quand on regarde le processus technique de fabrication de la barrière, on s'aperçoit que cette barrière, elle allait, j'allais dire, un côté un peu pléonastique. C'est-à-dire, bah oui, elle est solide, mais il n'y avait pas besoin, compte tenu que c'est des cochons qui, qui vont venir pour l'essentiel ou des chiens, il n'y avait pas besoin de la construire aussi solide. C'est-à-dire qu'elle est plus que solide. voyez, c'est vraiment une barrière qui pourrait résister à bien plus que des cochons. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Pourquoi il y a cet investissement à l'intérieur de la barrière? Ben, il explique effectivement que cette notion de barrière va être liée à toute une série de rapports, que, par exemple, qui font que les hommes sont essentiellement des défenseurs et des guerriers à l'intérieur de cette société là. Et pas n'importe quel type de guerrier, des guerriers qui, à une certaine époque de leur histoire, ont été vaincus par les voisins qui étaient les leurs, avec lesquels ils étaient, et ils ont été chassés de leur territoire. On les... Une partie d'ailleurs des gens qui vivaient avec eux sur ce territoire les ont trahis, ont fait alliance avec, euh, avec leurs voisins et ont réussi comme ça à les chasser. Et que depuis ce temps-là, eh bien, par exemple... Euh, montrer sa défense et la capacité de l'homme à générer et à résister, c'est un élément clé. Alors il montre bien de choses, il montre qu'il y a un lien avec les initiations masculines, qu'il y a un lien, etc. Mais il montre par comparaison que la manière dont on va faire des barrières pose un certain nombre de problèmes sur l'identité des gens et aide à mieux comprendre. Et je crois qu'on peut d'une certaine manière essayer d'utiliser euh, comme ça la compréhension qu'on peut avoir des sociétés comme des leviers comparatifs, soit pour faire saillir des ressemblances, soit pour faire saillir des différences, en vérité, la plupart du temps, les deux, parce que on ne peut réellement comparer qu'à partir du moment où on admet que c'est comparable, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de commun entre les phénomènes. Donc ça suppose quand même une certaine généralisation et un modèle dont je vous ai donné ici la clé de façon assez, assez rudimentaire, c'est-à-dire que toute différence doit à être comprise non seulement par rapport à une base commune, mais ensuite par rapport à un principe de différenciation dans cette base. C'est-à-dire On ne peut pas, quelles que soient les échelles auxquelles on se trouve et qu'on fasse de la comparaison, on ne peut pas comprendre les différences, quel que soit le niveau où on situe l'histoire de l'humanité, de, de la sociologie, etc., sans travailler à la fois sur les ressemblances et les différences, parce que les différences ne se comprennent que par rapport à ce qu'on a en commun. Euh, si je suis dans une société et que je veux essayer de comprendre l'opposition entre la droite et la gauche, si je ne sais pas qu'il y a en commun un système démocratique politique qui est là, je ne peux pas comprendre l'opposition droite-gauche sans remettre la totalité de ça, sans comprendre aussi l'histoire de l'Assemblée au moment de la Révolution, comment étaient partagés les gens, etc., euh, l'Assemblée constituante. Voilà, je ne peux pas euh, le faire. Mais maintenant, si je travaille entre les Anglais et les Français, voir... Bien entendu, ils ont un certain nombre de concepts communs. Et par exemple, si je ne sais pas ce que c'est aussi que la démocratie, je ne peux pas comprendre, et l'histoire de chacune, comprendre à quel moment elles se différencient et à quel moment, au contraire, elles sont sur des bases communes. Et tout est comme ça, et je peux toujours travailler là-dessus. Alors, pour essayer de, le, de vous le présenter, on va essayer de prendre quelques exemples à trois niveaux de comparaison possible. Un premier niveau interne à la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, quelques exemples rapides au niveau des comparaisons entre les sociétés océaniennes et puis ensuite quelques exemples rapides sur la comparaison des sociétés océaniennes avec les sociétés comme par exemple la société française la société kanak et la société française aujourd'hui pour essayer de voir comment on peut comparer euh, en tenant compte justement de la manière dont les différences qui sont les nôtres interrogent à la fois nos points de ressemblance nos histoires nos, euh, et, et nous demandent à comprendre nous comprendre mieux et à comprendre mieux les autres en se comprenant mieux soi-même. Et utiliser donc les différences comme levier. Dans la société kanak, un, un monsieur qui s'appelle Alban Bensa, que vous connaissez tous, qui qu'il a aussi beaucoup parlé, beaucoup écrit sur la Nouvelle-Calédonie, a consacré aux organisations sociales du centre nord de la Nouvelle-Calédonie qui parlent la langue païchi ou la langue tchémoui, euh, des études notamment sur l'organisation sociale, la morphologie de ces sociétés, et puis mettre en évidence que grosso modo, dans ces sociétés-là, on a deux types de groupements, pour dire rapidement. Des groupements qu'il appelle des groupements de filiation, on pourrait remettre en cause cette notion de groupement de filiation, mais on ne va pas le faire ici, ça serait trop long, ou qu'il explique, que la filiation est patrilinaire et les gens appartiennent à des clans qui ont des sous-clans, ou qu'il appelle lui des tertre-lignages, à des familles, qui ont tout en commun de se reconnaître un ancêtre commun, c'est-à-dire elles se reconnaissent comme ayant une même filiation. Mais ces, euh, ces unités-là sont des unités qui, d'une certaine manière, sont des unités dispersées. C'est-à-dire, on est parent parce qu'on a lien du sang, mais ces unités sont dispersées. C'est-à-dire qu'on se reconnaît un tertre d'origine commun. Mais à une époque, eh bien, euh, les frères ont pu se fâcher. Il y en a un qui est parti s'installer sur la côte ouest, l'autre qui est parti sur la côte est. Puis après, les descendants de celui qui était sur la côte est se sont eux-mêmes segmentés. Et on a créé ainsi, par segmentation successive, un clan qui peut être dispersé sur l'ensemble de la région Paichi, voire même au-delà, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Mais où tous les gens se reconnaissent une origine commune, tout en étant séparés. Et puis à côté de ça, il désigne ce qu'il appelle des, des unités de résidence. Euh, qui sont, par exemple, ce qu'il appelle les, les mondahamés, c'est-à-dire les, euh, les contenants de chefs. Euh, on dirait, nous, des chefferies, où des clans, souvent d'origines différentes, vont euh, se retrouver et souvent se classer euh, par ordre d'arrivée. C'est-à-dire il y a une hiérarchie à l'intérieur de ces groupes de résidence où le critère d'ancienneté est souvent prononcé. Cette manière de présenter l'organisation sociale est une manière qui pourrait être étendue à la plupart des communautés canadiennes de la Grande-Terre et des îles. Maintenant, si j'essaye de regarder dans le détail, je m'aperçois que la manière dont ces deux traits vont être combinés, les inflexions d'organisation qui vont être là, sont assez différentes d'une société dans une autre. Je vais m'apercevoir que la société Paichi va mettre beaucoup plus la valeur et l'accent je schématise forcément, sur les unités de filiation, où la, la solidarité clanique et l'identité clanique devient très importante au point que la chefferie clanique est la plus importante. Si je vous prenais par exemple la chefferie de Poy, qui est la chefferie donc qui se trouve dans la région de Touhaut, limitrophe quasiment de, de, de la commune de Yengen, cette chefferie de Poy, la porte d'entrée à un certain nombre de, de dignitaires de cette chefferie ne sont pas à Poy même. Ils sont installés sur la côte ouest, etc. Et donc, il y a des chemins coutumiers pour pouvoir passer, pour rejoindre la chef de Et une organisation où les unités de résidence ont l'importance, mais d'une certaine manière, la, les, les fili la filiation est plus importante. Si je suis à Yengen, par exemple, dans la région de Mawap, j'ai au contraire une, une je dirais une, une valeur qui est posée beaucoup plus, une insistance sur l'organisation locale. La chefferie est essentiellement locale. Et le clan, l'unité qui porte le même nom et qui est solidaire, c'est d'unités de gens qui peuvent ne pas avoir du tout la même, la même origine au départ, mais qui vont converger à un même endroit et devenir parents parce que d'une certaine manière, ils rentrent dans un échange parallèle, commun, avec un chef, qui lui a une autorité sur un lieu, sur un terre donné. Et donc, le, 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 ils connaissent la parenté par, par filiation. Il se raconte, mon clan est arrivé de tel autre, et puis on est un frère avec les untels, même s'ils habitent sur l'autre côte, parce qu'on a été effectivement à un moment donné, on, on appartient, on a un même grand nom ensemble. Mais il n'y a pas d'investissement. La vie sociale ne se structure pas autour de ça. Alors pour l'instant, je ne sais pas comment expliquer complètement ça. Mais il y a des hypothèses historiques. Une des hypothèses historiques, c'est que la Nouvelle-Calédonie a connu sans doute en XVIIe et XVIIIe siècle l'archéologie le montre, les traditions orales en témoignent, a connu une évolution par l'arrivée de populations venant de l'extérieur, qui étaient des populations conquérantes, et qui ont d'une certaine manière, je dirais, modifié considérablement l'organisation des chefferies. L'organisation des chefferies au moment où les gens arrivent, en fait, elle est beaucoup plus récente sans doute dans la forme qu'elle a, qu'on ne l'imagine. Ce ne pas des chefferies du Moyen Âge, c'est des chefferies sans doute construites au XVIIe, XVIIIe siècle. Ce qui veut dire que si on admet que c'est une hypothèse de travail, on peut aller questionner l'histoire là-dessus et se dire ben, le modèle qui ressemble à un modèle clanique, segmentaire, etc., qui est le modèle paichi c'est un modèle expansionniste. Alors que le modèle qui, lui, va fonder les solidarités sur l'être, euh, sur, c'est un modèle plutôt défensif. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça permet, à partir de là, de poser des questions et de, de lancer de la recherche et de faire de la comparaison pour poser des questions et pas trouver des réponses toutes faites sur la manière dont on va classer les choses et les gens. C'est un point comme ça qui peut être un point important, par exemple, ici. Un autre point était celui que je soulevais tout à l'heure. Il y a des sociétés qui pratiquaient l'échange de sœurs ou l'échange de filles, c'est-à-dire une femme qui est donnée doit être rendue. Et souvent, d'ailleurs, on dit que la règle, c'était le mariage entre cousins, c'est-à-dire euh, j'épouse un cousin et euh, donc lui, me, mon, mon frère, épousera sa cousine, etc. On échangeait les cousins comme ça de, de, de clan à clan. Et puis d'autres endroits où ce n'est pas possible, c'est-à-dire par exemple, si je suis à Alifou, je sais que je ne peux pas me remarier dans, un, dans une lignée tant que nous avons un arrière-grand-parent commun. Tant qu'on sait qu'on a un arrière-grand-parent commun, on sait que pas, ça ne va pas être possible. Est-ce que c'est la complexité des sociétés qui va expliquer ça Est-ce qu'un modèle évolutionniste permet de pousser ça Si vous regardez comment sont organisées les chefferies de Yengen, l'organisation de ces chefferies du point de vue de la structure du pouvoir, pour dire rapidement de l'autorité à l'intérieur de ces sociétés-là, et que vous comparez avec les sociétés de Marais et de Lifou surtout, mais c'est exactement la même structure. C'est-à-dire que c'est quasiment la même structure. Donc, qu'est-ce qui va expliquer ça Qu'est-ce qui permet d'expliquer ça Je ne le sais pas. Mais à mon avis, il y a plutôt dans la conception de la personne, la conception de ce que c'est qu'un lien de sang, etc., des interrogations à avoir sur les idées cosmologiques, l'ontologie qu'il y a à l'intérieur de ces sociétés, plutôt que de vouloir expliquer ça par je ne sais quel développement de la production ou intensification, etc. Ça va aider à poser un certain nombre de questions et on peut le faire de cette manière-là. Je vais prendre maintenant quelques exemples. Pour pas être trop trop long, emprunté euh, aux sociétés euh, océaniennes. Il y a une grande caractéristique des des anthropologues, c'est de classer ce qu'ils appellent les modes de filiation. On adore classer les modes de filiation, c'est-à-dire à quel groupe appartient une personne Est-ce que ce groupe-là, euh, la transmission se fait par le père C'est-à-dire, j'appartiens au groupe de mon père, j'hériterai, je, je serai membre du clan. Et je porterai le nom de mon père. Mais il y a des sociétés qu'on va appeler matrilinéaires, où c'est la transmission faite par les femmes. Et puis il y a des sociétés, dans le Pacifique, aux îles de Salomon notamment, mais on en trouverait ailleurs, où il n'y a pas de filiation du tout. On parle de filiation indifférenciée. En vrai dire, c'est un terme stupide, puisqu'en vrai dire, la filiation est indifférente. C'est-à-dire que ce sont d'autres critères qui vont permettre l'accès au groupe que la filiation soit par les hommes, soit par les femmes. Et donc, on est, euh, on est dans une filiation indifférenciée. Quelqu'un, par exemple, dans ces filiations-là, peut s'installer et appartenir à n'importe quel groupe local à partir du moment où il a un arrière-grand-parent, justement, à l'intérieur de ces groupes-là. Bon, comment je vais comparer ça Une fois que j'ai mis les gens dans ces boîtes-là, en quoi ces boîtes sont intéressantes Si, au contraire, je pars du fait que nous sommes dans des sociétés du Pacifique et que les sociétés austronésiennes ont toutes un point commun malgré la diversité extraordinaire des, euh, des filiations qu'on peut y trouver, c'est que dans ces sociétés-là, seules les femmes sont donneuses de vie. Les seules sociétés dans le Pacifique où il n'y a pas cette idée-là sont soit les sociétés des Aborigènes d'Australie, Soit un certain nombre de sociétés de Nouvelle-Guinée, notamment des Highlands de la Nouvelle-Guinée, qui appartiennent, je dirais, à une, à une phase de peuplement antérieure au peuplement austronésien, puisqu'ils sont là depuis 50 000 ans ou 60 000 ans, alors que le peuplement austronésien est beaucoup plus récent. Et bien entendu, si j'admets que je peux avoir à la fois une même ontologie, c'est-à-dire seules les femmes sont donneuses de vie, et la filiation est patrilinaire ou est matrilinaire ou elle est indifférenciée, je vais m'apercevoir que, bien entendu, c'est non pas des différences fondamentales de filiation qui seraient liées à je ne sais quelle classification qui permet de comprendre les choses, mais la manière dont la vie en tant que valeur, ben, il y a une économie de la vie. Comment les gens, à partir du moment où les femmes sont donneuses de vie, comment on va gérer cette vie Comment on va l'économiser Si je suis par exemple dans la société à Jungen, je sais très bien que la vie vient par les femmes. D'ailleurs, si une femme donne naissance à un enfant et que je ne suis pas marié avec cette femme, ben, je vais aller demander l'enfant. Ben, on peut, cet enfant, me le refuser. On peut ne pas me le donner. L'enfant appartient à sa mère. Je n'ai pas fait les gestes qu'il fallait pour pouvoir prendre cet enfant. Autrement dit, la patrilinéarité n'ignore pas le fait que la vie est donnée par les femmes. Simplement, elle admet que l'enfant devient l'objet d'une construction qui passe par des échanges entre les, euh, les, 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 les clans maternels et les clans paternels. Seule la mère donne l'enfant, et tout au long de la vie, il va y avoir des cérémonies au moment de la naissance, au moment euh, des, euh, des fêtes qui vont jalonner l'enfance de l'enfant, euh, au moment du mariage, euh, et puis jusqu'au moment des funérailles où les paternels, avec la monnaie kanak, avec les ignames, avec les richesses, vont payer pour pouvoir acheter, prendre cette vie, et transformer cet enfant dont la vie est uniquement maternelle au départ, la transformer en un ancêtre de leur propre clan, enfin d'abord en un membre de leur propre clan. Mais pour ça, ils vont développer des échanges. Dans une société qui est une société indifférenciée, comme par exemple chez les Are-Are des îles Salomon, Bien, comment on fait pour euh, trouver un enfant? Ben, au départ il va aller euh, là où ses parents vont être installés. mais comment être sûr qu'il va appartenir à ce lieu-là? eh bien c'est simple. on va avoir une gestion du mariage totalement différente de la gestion du mariage dans le monde canadien. ou là, alors que quand on se marie dans le monde, monde canadien on va payer pour pouvoir prendre la femme et l'intégrer dans le clan de son mari. Puis ensuite, lorsque l'enfant va grandir, à chaque étape, on va payer pour pouvoir à chaque fois prendre l'enfant. Là, on achètera tout d'un coup. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va payer pour prendre la femme, eh bien, on prendra ses enfants en même temps qu'on prendra la femme. C'est-à-dire qu'il y aura un paiement complet qui va être, qui va être fait, qui fait que euh, ce paiement, quand on le regarde, il est l'inverse des paiements funéraires. Au moment des paiements funéraires, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de prestations qui sont faites chez les aréarés, ben, C'est les prestations inverses qui sont faites au moment de la naissance, pardon, du mariage, et où, d'une certaine manière, non seulement on paye la femme, mais on prend aussi en même temps d'emblée la progéniture qui est là. Et on voit donc que la différenciation vient du fait qu'une fois que le père a pris l'enfant, a payé pour la femme, après, l'enfant, lui, pourra choisir, puisqu'il est libre, d'une certaine manière, des attaches avec le clan maternel, d'aller ensuite s'installer chez un de ses arrière grands parents De même, on est la, la, la même chose dans les sociétés qui sont matrilinéaires. Les sociétés qui sont matrilinéaires admettent que ce sont les femmes trop brillandaises qui sont euh, les gestionnaires de la vie et de l'identité du clan. On appartient au sous-clan de sa mère. Mais quand on regarde comment les choses se passent, on s'aperçoit que le destin des hommes à l'intérieur de la société peut être double. La plupart des hommes vont, bien qu'ils appartiennent au clan de leur mère, vivent chez leur père. Et donc, pendant le temps où ils vont vivre chez leur père, quand ensuite ils mourront, ils viendront ensemble dans le clan maternel. Mais pendant tout le clan, ils vont vivre chez leur père. Ben là aussi, le père va régulièrement donner à ses beaux-frères et à sa femme, payer euh, en igname, le droit de garder cet enfant pour qu'il puisse travailler à l'intérieur de son clan. Seul Quelques personnes, quelques hommes ne seront pas pris par ces paiements-là. C'est ceux qui, ayant un statut d'aîné d'une certaine manière, dans les clans maternels, vont rester dans ce clan, aller vivre avec leur oncle, parce qu'ils vont garder la terre de ces endroits-là, et qu'ils seront gardiens de la terre de ces endroits-là, et à partir de là, ils vont mettre en place des types d'échanges qui, bien entendu, sont très différents de la société euh, patrilinéaire, indifférentielle, selon la filiation. Mais en même temps sur une même base commune. On fait des choix économiques, si je puis dire ainsi, qui prennent une rationalité. Alors pourquoi ont-ils fait ces choix plutôt qu'un autre, je ne sais pas. Mais c'est intéressant de pouvoir essayer d'aller regarder ces questions et d'utiliser les sociétés, non pas pour dire Ah, les sociétés matrilinaires, alors ils ont ceci, telle et telle caractéristique, voilà, dans la boîte, mais au contraire pour permettre d'interroger ces sociétés de cette manière-là. Même chose tout à l'heure. Je vous ai opposé les grands hommes, les big men et les chefs, du point de vue sociopolitique. Si vous prenez ces, ces grands hommes, ces big men, ces chefs, vous vous apercevez que, bien entendu, les chefs sont souvent de enfin, façon héréditaire les big men sont des grands compétiteurs dans des éléments économiques et les grands hommes, c'est plutôt des gens qui ont réussi à s'imposer comme étant, ayant une compétence pour une fonction précise. Mais si vous regardez ces sociétés qui sont. Toutes très différentes du point de vue du système statutaire. Vous vous apercevez qu'on ne peut pas comprendre les différences qu'elles ont si on ne voit pas aussi sur quelle base se sont constituées ces différences. Et que donc là, il y a un questionnement. Or, si vous prenez les grands hommes, les big men et les chefs, ils ont au moins deux caractéristiques communes. J'aurais pu en trouver d'autres, mais j'en ai choisi deux pour ici. La première, c'est que quoi qu'on dise, dans ces sociétés-là, même quand c'est héréditaire, ou en apparence héréditaire, il va falloir toujours. Il y a une part de rivalité statutaire. C'est-à-dire une part de rivalité qui peut être plus ou moins marquée. Chez les grands hommes, c'est à l'interne du clan pour essayer de montrer celui qui peut hériter de la fonction qui est là. Le big man, c'est celui qui va rentrer en compétition économique et essayer de montrer qu'il est celui qui est capable d'obtenir la puissance, la force pour pouvoir battre ses adversaires. Et le chef, quoi qu'on en dise, ben, c'est la même chose parce que si vous regardez les chefs dans le monde canac, très souvent on vous dit c'est des étrangers. Mais si vous allez regarder, on dit oui, les étrangers, les étrangers, ils venaient, puis on donnait la chefferie à un étranger. Alors ces sociétés-là, on donnait la chefferie à un étranger s'il était capable de tenir la chefferie d'abord. Ce n'était pas n'importe quel étranger. Et qu'est-ce qu'il fallait pour que le chef étranger puisse être reconnu comme chef ben, Il fallait d'abord qu'il soit un conquérant, qu'il ait montré qu'il avait la puissance, le ginou, que d'une certaine manière il avait un lien avec les ancêtres et les dieux qui étaient plus forts que ceux de l'endroit où il était, et qu'il était capable de montrer cette, cette puissance par la guerre. Puis ensuite, on arrêtait la guerre, et on montrait qu'à partir de ce moment-là, il avait témoigné de cette, de cette capacité-là, et il montrait qu'il avait un lien particulier, comme le Big Man, qui montre qu'il a le mana, qui montre qu'il a la puissance. Parce que justement, il est capable de transformer, de vaincre son ennemi. Comme le grand homme qui est capable de montrer que, plus que l'autre, il possède un lien spécifique avec les ancêtres. Donc, la rivalité statutaire et la, la capacité à gagner cette rivalité statutaire montrent que le lien aux ancêtres, c'est le point commun à tout le monde. Et que dans tous les cas, quelle que soit la forme de validation du statut, qu'il soit acquis ou prétendument hérité, il va falloir une rivalité pour pouvoir acquérir ce statut. De même que d'une certaine manière, un autre point commun, c'est que dans ces sociétés-là où soi-disant il y a des grands hommes des big men et des chefs, partout il y a l'idée et la vie et la puissance qui sont d'une certaine manière des valeurs qu'on va rencontrer partout, qui ont un point cosmologique puisque commun puisque tout ça procède en dernière instance dans la lecture de ces cosmologies qui peuvent être plus ou moins complexes de la terre. C'est-à-dire que tout finit dans ces sociétés-là et tout revient à la terre et tout en sort et repart par la terre. Et la vie et la puissance sont en fait issus de la terre qui est la divinité, je dirais, fondamentale à l'intérieur des sociétés du Pacifique. Mais le problème, c'est que cette vie et cette puissance sont des biens limités. Et parce qu'ils sont des biens limités, il est toujours important que les échanges existent et que les échanges soient équilibrés malgré les statuts sociaux, parce que. Ben, si vous donnez et que vous ne recevez pas, ben, d'une certaine manière, votre potentiel de vie ou de puissance va, va disparaître. Et à l'inverse, si vous recevez trop, il y a des déséquilibres qui se créent pour les autres et il va y avoir des tensions qui vont se créer. Donc les échanges sont fondamentalement importants pour cet équilibre. Mais en même temps, du fait que ces équilibres ne ben, sont pas toujours possibles, il y a des déséquilibres qui se créent et des crises sociopolitiques qui se créent, et notamment par le fait que... Le chef ne va plus être obéi, que le big man a montré la fragilité de sa faction et va perdre face aux autres, que les grands hommes n'ont plus l'efficacité des formules magiques ou rituelles qu'ils doivent utiliser. Et à ce moment là, eh bien, il va falloir relancer la rivalité statutaire pour essayer de le perdre. C'est à dire que, par exemple, même quand un chef canin qui est soi disant héréditaire, vient à mourir, on sait bien autrefois que son fils était celui qui, euh, qui va prendre la succession. Mais si vous remarquez comment ça se passe encore aujourd'hui, lorsqu'un chef meurt et qu'il n'a pas laissé la main à son fils, qu'est-ce qui va se passer Ce n'est pas tout de suite qu'il va y avoir la succession. Il y a toujours un temps de latence. Et ce temps de latence correspondait autrefois à des périodes de grande instabilité sociopolitique, où d'une certaine manière le chef devait reconquérir son peuple. C'est-à-dire qu'il y avait des espèces de cérémonies avec des guerres qui étaient plus ou moins jouées, plus ou moins théâtrales mais qui étaient quand même des guerres où il pouvait y avoir des morts, des blessures, etc., où le chef remontrait qu'il était celui qui effectivement avait le manin, c'est-à-dire celui qui avait la puissance à l'intérieur de la société. Et donc on s'aperçoit que si on veut comprendre les différences entre ces systèmes politiques, on ne fera pas l'économie d'un détour par la cosmologie et les points communs qu'ils peuvent avoir. Vous voyez donc ici que, là encore, les différences... Nous, nous, la comparaison nous invite à penser en vérité euh, les sociétés dans leur complexité et à les questionner mutuellement les unes par rapport aux autres. Non pas pour les mettre dans les boîtes, mais pour se poser des questions sociologiques et faire avancer la connaissance et la compréhension qu'on peut avoir des sociétés. Le dernier euh, point que je vais essayer d'aborder, c'est celui de euh, la comparaison entre les sociétés, parfois très éloignées. Comme peuvent l'être, par exemple, la société française et la société canadienne. Là encore, euh, on a euh, pu opposer ces sociétés-là, et l'une des, des classifications qui ont pu être utilisées, c'est une classification où on a utilisé, si vous voulez, les termes d'individualisme et de holisme pour caractériser leurs idéologies. Alors, de quoi s'agit-il ben, Par exemple, on dira que la société. Kanak est une société holiste dans laquelle elle a une idéologie où l'individu, la personne, apparaît moins chargé en valeur que le groupe. Et très souvent, on vous parlera en vous disant, le groupe l'emporte sur, sur l'individu. Au contraire, dans notre société, l'individu est considéré comme étant la valeur, etc. Et nous aurions donc des sociétés qui seraient individualistes et des sociétés qui sont holistes. Cette manière de penser les choses est une manière qui ne nous amène pas à grand chose, sinon à conforter la, la, le sentiment que nous avons que ben, les Canards ne seraient pas exactement comme nous, puisque nous on est on accorde du droit à, et de la valeur principalement à l'individu par rapport au groupe, au point même que parfois on évoque l'individu contre la société. C'est même plus simplement que il a il, la, la société dévalorisée, c'est qu'il faut parfois que l'individu se c'est riche, etc. L'individu est considéré même comme un être quasiment non social. Il a une réalité avant même la société. Il est la valeur. Et puis, au contraire, dans la société canaque, on aurait ce le Si on admet au contraire qu'on va utiliser ces choses-là comme, euh, comme des leviers, alors on peut dire des choses plus intéressantes. Par exemple, on peut essayer de se poser la question de savoir nous, nous sommes dans une société qui valorise totalement l'individu. Au point, par exemple, qu'en 1793, dans la Constitution française, un des premiers articles, on vous dit « Le but de la société, c'est le fait de le bonheur de l'individu ». Donc on voit qu'ici, la société est fabriquée pour fabriquer l'individu. Mais comment on fabrique une société avec des individus Comment on le fait Si vous regardez une bonne partie de l'histoire européenne, vous apercevez que ça a été une, un problème philosophique absolument énorme pendant très longtemps, et il y a eu, depuis le Moyen Âge, toute une série de philosophes qui se sont interrogés en voyant l'évolution des sociétés pour savoir comment on pouvait passer d'une société où la société s'imposait autour de l'individu, c'était la manière dont on posait les choses, à une société où c'est l'individu qui, d'une certaine manière, ferait la société. Et euh, c'est les théories du pacte, du contrat social, et c'est, d'une certaine manière, Rousseau qui amènera la dernière touche à, cette, à ce questionnement-là. Pour le sociologue... La question se pose de savoir comment nous faisons société. Nous sommes d'une société animée, mais comment on fait société Les sociétés canadiennes, les sociétés océaniennes globalement, nous appellent et nous interpellent en disant Mais nous, elles sont tout autant société que, que, que les sociétés canadiennes. Euh, Je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas société. Nous faisons société. Mais comment nous le faisons ben, Nous le faisons avec des constructions idéologiques qui sont parfois très très surprenantes. Nous prenons par exemple notre, notre idéologie individualiste. Lorsqu'elle pense la société, elle a besoin de trois étapes. Alors je les caricature pour. pour je force le trait pour essayer de me faire comprendre. La première étape, c'est de déclarer que, bien entendu, la valeur, c'est l'individu. Et donc toutes les sociétés occidentales reconnaissent ah, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'individu, même si c'est le citoyen. C'est les droits de chaque individu. Et. Dans cette vision des droits de l'homme, l'individu est le seul propriétaire de lui-même, comme disait Bernard Rigaud, avec qui je discutais ce midi. Il s'appartient lui-même, et après, il s'approprie les choses. Et à partir du moment où il, il rentre en propriété, et la propriété privée, c'est le fondement même de la société individuelle. L'individu s'appartient lui-même. Et donc, à partir de là, comment on fait Eh ben, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il n'y a que des individus. Alors comment ils font eh ben, les individus, ils vont décider. De faire société, ils font pas société avant. Ils décident, ils se mettent ensemble et ils vont faire un contrat social. Et ce contrat social s'appelle la constitution. Et cette constitution constitue le contrat que nous sommes tous censés avoir signé, bien entendu. Alors même que nous ne l'avons pas signé, puisque en fait nous naissons déjà dans des constitutions. Mais enfin, on, on l'a tous signé. Et ensuite, on peut avoir le troisième étage, c'est l'étage de la loi. Et l'étage de la loi, alors là, c'est le contraire de la Déclaration universelle. Nul n'est censé ignorer la loi et nous sommes soumis absolument, de façon sans aucune exception possible, à la loi. Alors bien entendu, on peut ensuite essayer d'argumenter comme Montesquieu et de se dire, ben, nous sommes dans euh, les, les sociétés, nous sommes dans des sociétés qui, euh, euh, où l'individu se soumet de façon absolue aux lois qu'il a contribué à créer. Sauf que, bien entendu, ce n'est pas nous qui les avons contribués, c'était nos pères, et que donc la, la notion de filiation, nos pères, nos grands-pères, nos aïeux ont fait ça, suppose quelque chose de plus que simplement l'individu et la reconnaissance de quelque chose comme l'existence d'une société. Parce que nos sociétés sont entre autres histoire, justement. Nous reconnaissons que nous sommes une communauté historique, à la fois nous avons un territoire et une histoire commune, et cette histoire commune nous lie. Et dans cette histoire commune, comment on fait société est-ce que c'est l'économie bah, L'économie, c'est plutôt une valeur individuelle. L'économie de marché, la loi de l'offre, la demande, on ne va pas rentrer là-dedans. Ce qui va faire société, ça va être le droit. Et quand on s'aperçoit que les, la société dans le monde occidental, c'est l'état de droit, on a une bonne, une petite idée de comment on peut faire société. Alors après, on peut discuter tel ou tel aspect. Il n'empêche qu'on va s'apercevoir que, grosso modo, il y a dans la hiérarchie de valeurs deux types de droits. Des droits qui vont être appelés... Euh, des droits fondamentaux. Et ces droits fondamentaux, c'est très intéressant parce que c'est des droits qui sont complètement attachés à l'individu. C'est les libertés individuelles, le droit de propriété, euh, le droit à l'opinion, euh, le droit à la parole, à la liberté de conscience, etc. Ça va être, bien entendu, les droits civiques qui me donnent la, le droit de participer à la vie politique et de décider, un homme, une voix, etc. Et puis je peux me présenter. Et puis, il y a bien entendu les libertés publiques de réunion, d'association, etc. Et tout ça, c'est libre. L'individu est totalement libre. Mais on s'aperçoit que si on veut faire société, il faut qu'on puisse trouver une organisation politique dans laquelle ces droits soient donnés. Et là, on va être obligé d'inventer des choses, déjà, qui sont un peu en contradiction avec notre idéologie individualiste notamment on est obligé d'inviter la représentation, d'inventer la représentation. On va élire des représentants. Sur quelle base On n'est plus dans le droit strictement individuel. Là. On est dans quelque chose où la société se représente avec un certain type de corps politique, etc. Et là, on n'est plus tout à fait dans le nuit. Et par ailleurs, à un niveau de valeur inverse, on va avoir des valeurs qui vont être en contradiction profonde avec l'individualisme. Et qu'on va faire, pourquoi parce que si on ne le fait pas, la société n'est pas possible, et la société n'étant pas possible, les fameux droits fondamentaux ne sont eux mêmes pas possibles. Je prends, par exemple, euh, des notions qui sont importants, qu'on peut donner, par exemple, l'impôt, la fiscalité. Je suis propriétaire de ce que je gagne, c'est à moi, mais je vais quand même être taxé par l'État au nom euh, d'une certaine solidarité de la société, parce que si les écarts sont trop grands. Ça va poser un certain nombre de problèmes. Il y a la politique économique. Normalement, c'est le marché qui s'autorégule. Les États n'ont rien à dire. Pourquoi ils vont faire de la politique économique Il y a le droit du travail. Bah, normalement, attendez, il y a le marché du travail. On achète, on vend, etc. Et puis tout d'un coup, non, on va fixer un certain nombre de droits comme ça. Puis aujourd'hui, il va y avoir, par exemple, le marché de, du, de, des oxydes de carbone, hein, etc. Il va y avoir un certain nombre. Il y a aussi la sécurité sociale. Je suis obligé de cotiser pour pouvoir faire de la solidarité, etc. Je m'aperçois donc que, d'une certaine manière, il y a des sociétés. Dans nos sociétés modernes, elles sont bien des sociétés. Même nos idéologies, nous sommes en permanence en train de transiger. Et on voit que, à partir de la notion de société que je vais hériter du monde kanak, du monde océanien, je peux aller interroger la société. Inversement, je peux faire ça aussi. Est-ce que les sociétés kanaks sont des sociétés où l'individu n'existe pas Montrer l'évidence que la personne est relationnelle, le sang vient de la mère, le nom vient du père, etc. C'est-à-dire qu'un individu est constitué de toute une série de dettes qu'il a visées les autres, fait de lui, bien entendu, un être très différent de la, de la personne au sens occidental. Mais on comprend bien que dire qu'il y aurait des sociétés où l'individu n'existe pas est absurde. Je se dis dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, les hommes pensent. Le problème, c'est que l'identité de la personne, elle n'est pas comme on l'imagine. Une identité naturelle, biologique, elle est indissociable de l'identité sociale. Nous et je, ça va ensemble. Et donc, quand je veux travailler sur l'individu, dans le monde canadien, l'individu, il pense tout autant dans le monde canadien qu'il pense ailleurs, et il peut prendre des décisions lui aussi, et euh, il a, je dirais, toute une série d'éléments qui, euh, qui vont lui permettre d'affirmer son identité propre. Il y a des divergences, des points de conflit, etc. Tout ça doit être pris en compte. Mais si je veux les comprendre, je ne peux pas faire abstraction du fait qu'ils sont société et que la conception de la personne, c'est en fonction d'un enjeu dans une société particulière. Il y a un substrat, quelque chose qu'on appelle la société, qui est composante de l'individu au sens où je l'entends, et qui est dans l'individu indépendamment de ses qualités propres, et qui d'une certaine manière sert de base à ses qualités propres pour qu'il manifeste ses différences. Donc il y a des différences individuelles partout. Simplement, l'interprétation de ces différences individuelles ne peuvent pas être les mêmes en fonction de la société dans laquelle je suis. Voilà, à peu près l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Bien sûr, ceci est vrai aussi dans les sociétés contemporaines, où aujourd'hui, si je prends la société canac d'aujourd'hui, ou je prends n'importe quelle autre société, du fait des mélanges des sociétés, des interactions entre sociétés, eh bien, il y a des traits que nous appellerions occidentaux dans le monde canac, et des traits sans doute océaniens aussi, dans un certain nombre de, de communautés qui ne sont pas forcément des communautés canac, qui ont été... Et individualisme et holisme, au sens de action sur la société, action sur l'individu, va se retrouver dans toutes ces sociétés. Mais on ne pourra pas faire l'abstraction de ces mélanges et de comprendre à chaque fois comment dans ces mélanges se ce mélange l'appartenance à la société et l'identité sociale. Pour qu'on puisse comprendre aussi comment la société et l'individu se pensent, parce que c'est un point commun. Donc, même les mélanges de sociétés nous invitent à penser cette tension entre individus et sociétés pour questionner les sociétés, non pas pour les classer. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. La comparaison est possible, oui, mais elle ne doit plus être cette comparaison qui consiste à hiérarchiser les sociétés sans le dire la plupart du temps. Parfois, alors là, c'est plus grave, sans en avoir conscience. Mais elle doit, au contraire, nous permettre d'utiliser les différences que nous avons, non pas pour classer les autres dans des boîtes, mais pour nous interroger nous-mêmes et interroger les autres aussi sur les choix de société qui sont faits, sur le sens des choses, et de permettre de faire saillir, comme ça, à la fois des ressemblances et des différences entre les sociétés. C'est la question qui est importante, pas la réponse que nous prétendons lui donner. Merci beaucoup. Merci Patrice. Je sais qu'on est arrivé au, au terme de ton exposé, mais ton PowerPoint a, a décroché. Ah ben, tu l'as carrément fermé. Il a décroché. Donc j'espère que les gens auront les, les schémas en tête. Si vous avez quelques questions euh, à poser à Patrice Godin, une première question. Paul Fizine. Merci Monsieur Godin pour. Euh cet exposé. Donc euh, j'avais trois questions à, à poser, plus en relation entre votre regard en tant que scientifique avec les sociétés océaniennes. Euh, la première question est, pouvez-vous donner des exemples précis d'îles ou de régions en Océanie où il existe des échanges de sœurs est-ce que par exemple ces échanges de sœurs, ils existent sur toute la Grande Terre et les îles Loyauté Est-ce qu'on les retrouve aux îles Salomon, etc. La deuxième question est par exemple à Fidji, la relation d'oncle-utérin à neveu est régie par une relation qu'on appelle relation de Vassou ou encore à Lifou, on a ce, ce type de relation entre les, les, les neveux et les oncles-utérins avec des obligations. On retrouve la notion également de mana. Euh, L'IFO, on va dire, le mène. Donc, euh, est-ce que cette notion de mana, de vassou, ou par exemple le traitement qu'on réserve au cordon ombilical, le, les, les rites qui l'accompagnent, est-ce que, est, est -ce que ces notions-là, est-ce qu'on les retrouve euh, en, en Océanie et à peu près dans, dans quelle ère géographique d'influence La troisième question est quel est l'impact de la religion tout en sachant que quand elle, quand elle arrive, elle va promouvoir le modèle de société patriarcale. Parce que dans la Bible, on retrouve ces sociétés patriarcales et on va vouloir ériger des chefferies comme David régnant sur les douze tribus d'Israël avec la naissance des théocraties missionnaires. Et par exemple, si on se réfère aux, aux contes et légendes, souvent on a, les, on a des femmes qui sont... Deux femmes, par exemple, qui vont ou un cocotier, etc. Et puis après, on a des chefferies qui se structurent. Est-ce que par exemple, ces légendes-là, elles ne sont pas des traces des, des matriarcats préexistants ou passés Et la religion, elle va également créer le mariage. Et par exemple, à Lifou, on a les, quand, le mot qu'on utilise, c'est Faipoipo. Et on sait, et on sait que c'est des Polynésiens qui l'ont fondé. Et quelle part de, de tradition polynésienne ont-ils emmené voilà, il y avait c'est plutôt des questions en rapport à euh, l'Océanie et puis euh, le, le regard euh, de travail euh, d'ethnologue à Yengen. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer, euh... Celle là, ça va? Oui, je vais essayer de répondre, il y a plus que trois questions là, hein, mais bon, je vais essayer de, de répondre le plus simplement possible à ces à, à ces affaires là. Euh, de façon très significative, Alors, je vais répondre dans le désordre la première sur l'influence de la religion c'est évident que la religion chrétienne est par définition la religion de l'individu. C'est-à-dire que c'est la religion du rapport qui est quel que soit le statut social de la personne. L'individualisme occidental, il prend sa source là. Et c'est intéressant de voir que, effectivement, la notion d'individu va être petit à petit s'intégrer à travers la religion chrétienne. Mais comme vous l'avez dit, de façon très significative dans les sociétés du Pacifique, alors qu'il y a deux testaments c'est-à-dire l'Ancien Testament biblique, la promesse qui a été faite à Abraham, son peuple, etc., et, et qui est une vision, je dirais, assez holiste, c'est le peuple élu, hein donc une vision un peu par opposition à l'individu où, je dirais, il est plus nécessaire de suivre les... les c'est Saint Paul qui est à l'origine de ça, les, les, les prescriptions rituelles mosaïques, etc. On peut être païen et devenir le Christ, puisque quelle que soit votre, votre origine, vous êtes élu parce que vous êtes un homme par, euh, par le Christ. Donc dans ces deux versions, aux îles, comme dans beaucoup d'endroits du Pacifique, eh ben, c'est l'Ancien Testament qui va marquer beaucoup plus, effectivement, les euh, points. Et vous avez parlé des fameuses chefferies, le vocabulaire qui va désigner les chefferies, par exemple, aux îles. Je pense notamment à l'Ifou, les basilaya, etc., sont des termes d'origine grecque qui ont été retranscrits dans le, repris dans, les, dans la traduction des évangiles. Le basileus, c'est le souverain grec de la grecque archaïque, et euh, on va utiliser ce modèle dans une... Alors, moi, je n'utiliserai pas le mot patriarcal, mais peu importe, je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Et on voit bien que c'est cette partie-là de la religion qui va être la plus retenue, plutôt que la partie euh, Nouveau Testament et libération de l'individu, etc. Donc, c'est intéressant de, de, de voir cet aspect-là euh, des choses. Donc, euh, la religion va venir effectivement renforcer un certain nombre d'aspects. Euh, que vous appelez patriarcaux, et notamment, par exemple, je fais partie des, des gens, alors ça serait un peu long à démontrer, mais qui montreraient assez volontiers comment la religion a rendu les femmes dans le monde canadien beaucoup plus dépendantes des hommes et beaucoup plus soumises aux hommes qu'elles ne l'étaient avant l'arrivée de la religion. C'est-à-dire que le christianisme a été un facteur énorme de soumission des femmes et que ce qu'on prend souvent pour une soumission liée à la coutume est beaucoup plus lié à l'interprétation assez protestante et Ancien Testament de, 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 de la religion. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que les femmes que vous citez dans vos récits, où il y a deux femmes, vous avez dit, etc., montrent qu'il y a une matrilinarité Non, elles montrent pas qu'il y a une matrilinarité. Puisque nous sommes dans des sociétés qui pourraient être classées plutôt comme patrilinéaires. Ce qu'elle montre, au contraire, c'est que dans ces sociétés-là, comme dans toutes les sociétés du Pacifique, la femme seule est donneuse de vie. Et que à partir du moment où c'est ça, et qu'il va falloir créer une nouvelle lignée de chefs, puisqu'on refonde une chefferie avec la rivalité statutaire, c'est-à-dire le chef est conquérant, pour que ce chef puisse devenir réellement chef, il faut qu'il va épouser des filles de, du terroir qu'il a conquis du territoire dans lequel il est qui vont lui donner, donner vie à sa propre lignée et c'est à dire que le mariage et si ces femmes sont, ont un rôle si important dans les contes qui sont là c'est parce qu'effectivement dans le monde kanak seule elles donnent la vie et que les chefs et la chefferie se construisent par les femmes et qu'il n'y a que par les femmes qu'on peut construire. tous les chefs sont porteurs sont fils de femmes dans, dans le monde kanak. Si vous regardez les cosmologies que vous allez les regarder, il n'y a pas de chefferie qui ne passe par le mariage de l'étranger avec une femme. qui est à, On trouve ça à Fidji aussi, où il y a des organisations qui sont, comme vous l'avez noté, assez proches de l'organisation. Donc c'est beaucoup plus la manière dont la femme qui euh, est porteuse de vie. Vous savez que les femmes sont extrêmement importantes dans toute l'océanie. Il va falloir à un moment donné pouvoir utiliser que les hommes, pour pouvoir construire le statut social, utilisent les femmes. Alors ça va, par exemple, dans ces sociétés de Nouvelle-Guinée, où on dit que les instruments de l'initiation autrefois des hommes, les flûtes sacrées des ancêtres, etc., c'était les femmes qui les détenaient. Et à un moment donné, il y a des mythes qui racontent comment les hommes ont réussi à prendre ces flûtes et à, à s'approprier le pouvoir des femmes. Là, c'est pas ça qui se passe, c'est on a besoin... De pouvoir s'approprier la vie de ces femmes-là pour donner la vie à la lignée et inscrire par l'intermédiaire des femmes le chef à l'intérieur de, euh, de la, la maison qui va être la sienne. Alors c'est un peu long à expliquer, mais en tout cas c'est pas une question de matrilinarité. C'est la question que toutes les sociétés du Pacifique, matrilinéaires, patrilinéaires, indifférenciées, tout ce que vous voulez, elles ont toutes par contre ce point commun seule la vie, enfin, seule les femmes donnent la vie. Et ça c'est le point qui me paraît absolument important. Alors est-ce que partout on va retrouver la notion de mana de jinu euh, de mana, etc.? Ben oui. c'est l'autre pendant de cette affaire-là. c'est-à-dire il y a la vie. mais quand la vie disparaît, qu'elle rentre dans la terre, etc., il y a la puissance. et la puissance qui est donnée par les ancêtres et euh, le, 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 le mel, si je veux dire, ne va pas sans le mel. c'est-à-dire sans la puissance. et il faut comprendre les femmes donnent de la vie qui vont permettre ensuite d'avoir des ancêtres qui donneront de la puissance. Cette puissance va permettre ensuite de marier les femmes qui auront donner la vie à l'extérieur. La vie refondra de la puissance et ça s'engendre. Cette caractéristique-là, qui peut être donnée sous le nom de mana, on va le retrouver partout. Voilà. Maintenant, est-ce que la notion d'oncle maternel-neveu est importante Oui, elle est très importante dans la société. Est-ce que c'est la même chose qu'à Fidji Oui et non, ça dépend des endroits où on est. Dans le monde euh, 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 fidjien, le droit de Vassou, c'est un droit fort du neveu sur les biens de son oncle. Dans la société caninque, par exemple, de Yengen, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le djado, c'est-à-dire qu'au moment où l'enfant va, va mourir, autrefois, aujourd'hui, ça ne se pratique plus, eh bien les maternelles arrivaient costumées pour la guerre Rentraient comme des guerriers dans le village, prenaient possession du village paternel du neveu et s'emparaient de tout ce qu'ils pouvaient prendre dans une attitude guerrière. Donc on voit bien qu'il y a une complémentarité, mais cette complémentarité ne se joue pas tout à fait dans le même registre. Donc il est intéressant de comparer effectivement le droit de Djado avec le droit de Vasu à Fidji et de s'apercevoir qu'ils ont à la fois une base commune et en même temps une orientation qui n'est pas la même. Voilà avec une prééminence de l'oncle maternel dans le monde kanak et une prééminence du neveu euh, chez, les, euh, chez, les, euh, chez les fidjiens. Donc il y aurait une, une organisation là-dessus. À partir de là, est-ce que l'échange de sœurs est pratiqué partout ben non, l'échange de sœurs n'est pas plus que pratiqué partout, puisqu'on peut échanger des femmes en payant pour avoir ces femmes-là et non pas échanger des sœurs. Donc même dans la, sur la Grande Terre, il y a des endroits comme à Yengen ou à Wailou, par exemple, où l'échange de sœurs existait. Mais par exemple, dans la région de Nellemois, la région Kumak poum ça n'existait pas. On ne pouvait pas faire cette pratique d'échange de sœurs, ni aux îles Loyauté. Là, il y avait d'autres formes de mariage qui pouvaient, qui pouvaient être célébrées. Donc l'échange de sœurs n'était pas pratiqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que c'est pourquoi c'est pas, ils ont des bases communes. Et les bases communes, c'est quand même que c'est la femme qui donne la vie. Et donc ce qui est important, c'est comment on gère la vie à l'intérieur de ces sociétés-là. Elles ont simplement... Je dirais des, des partis pris sur la manière de gérer des choses qui sont des points communs totalement différents. On ne développe pas les mêmes types d'économies de la vie, les mêmes types d'économies de la puissance. Parce que d'une certaine manière, ce qu'on appelle une société, c'est un système économique. Sauf que ce système économique, eh bien, il est différent. Par exemple, là. Il y a une question qui est sempiternelle en anthropologie, c'est est-ce que les monnaies telles que les monnaies océaniennes, les nattes à Samoa, les monnaies de perles des Salomon, les monnaies de perles canaques, etc., c'est de la monnaie ou pas de la monnaie Les débats sont durs depuis des décennies et des décennies là-dessus, avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et ils ont tous des arguments qui sont tirés de la même chose, c'est-à-dire fonctionnels. Est-ce que la monnaie est une réserve de valeur? Est-ce que la monnaie est un moyen d'échange? Est-ce que la monnaie est un équivalent général? Est-ce que la monnaie est une unité de compte? Et on essaye de voir si ces monnaies remplissent ou pas ces différentes fonctions. Et alors, en fonction de la manière dont on juge, on dit ah bah pas vraiment, etc. Et alors à ce moment-là, un certain nombre de monnaies du Pacifique vont être classées. Il y a encore un bouquin que j'ai lu il y a pas très longtemps qui a été écrit il y a une dizaine d'années, où on dit ce sont des pré-monnaies. Ce ne sont pas des vraies monnaies, elles sont des esquisses de monnaies. Les Kanaks ne seraient pas capables d'avoir de vraies monnaies. Voyez, ils ont des monnaies qui sont des approximations de, de la nôtre. Bah, pas du tout. La vérité, c'est que, bien entendu, que les monnaies peuvent jouer telle ou telle fonction et que toutes les monnaies océaniennes ne jouent pas exactement les mêmes fonctions que la monnaie européenne. Mais à ce moment-là, si vous voulez, si je prends un certain nombre de fonctions jouées par la monnaie Kanak, bah, euh, cette monnaie-là... Euh, euh, la monnaie européenne la joue pas. Est ce que c'est une pré monnaie la monnaie européenne? Non C'est une monnaie qui euh, a des fonctions qui sont liées à la valeur que sert la monnaie. C'est un moyen, c'est un équivalent général, c'est un moyen d'échange. C'est un moyen de hiérarchiser les choses et de leur donner une valeur, de les mettre sur une même échelle de valeur et, à partir de ce moment là de les rendre comparables et échangeables. Sauf que, bien entendu, la hiérarchie de valeur n'est pas la même selon les sociétés. Et que si vous êtes dans la hiérarchie de valeur où ce qui compte c'est le bien, le, la valeur matérielle par rapport à la loi de l'offre et de la demande, la monnaie ne va pas être la même que si la valeur c'est la vie ou la puissance, comme dans le cas de la monnaie océanienne. La monnaie océanienne, elle est, incarne justement cette valeur fondamentale, elle, elle est le symbole de cette valeur suprême qu'est la vie ou la puissance, ou le mélange de la vie et de la puissance. Et donc à partir de là, elle peut avoir des fonctions d'unité de compte, etc. Mais bien sûr, elle ne compte pas la même chose. Et elle ne fait pas les comptes de la même manière que quand on compte, il s'agit d'échanger des haricots verts contre de l'argent avant d'aller acheter ensuite le cartable du gamin au magasin du coin. On n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Mais ce sont des monnaies. Simplement, les valeurs auxquelles elles sont servies vont faire que la forme de la monnaie, les processus pratiques dans lesquels la monnaie va se couler, ne sont pas les mêmes que dans la monnaie européenne. Mais ce n'est pas lié au fait que ça serait des monnaies incomplètes ou des monnaies qui, à qui manquerait une case. Je veux dire. Non, elles sont simplement des monnaies comme ça. Et je crois que ça, c'est très important d'insister sur cet aspect-là des choses. La comparaison doit nous faire interroger sur le sens et pas sur des aspects fonctionnels des choses. La fonction n'explique rien. Elle n'est que, le, 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 je dirais, la réalisation, au même titre que la forme qui va servir la fonction, de valeur. D'idées qui sont au centre des sociétés, et c'est ces idées, ces valeurs qu'il faut mettre en, en évidence. Je ne si j'ai répondu aux questions, j'ai essayé en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un chapelet de questions, un peu comme Paul Vous assommez, hein <laughs> Patrice, en attendant qu'une question. Ah, si. Il y a une question ici, juste en face. Le micro arrive jusqu'à vous. Bonsoir. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. J'étais un peu inquiète au début de votre présentation de voir que l'anthropologie, c'est la mise en boîte. Et l'évolutionnisme, vous en avez beaucoup parlé, mais je pense qu'il faut contextualiser. Et dans un pays où l'anthropologie n'est pas forcément où l'anthropologue n'est pas forcément quelqu'un de très aimé, il me semble qu'il faut plutôt, comment dire, montrer l'anthropologie comme une science qui évolue. Et l'évolutionnisme. Je pense qu'on peut le dater de la période scientifique du darwinisme. Ensuite, il y a eu le fonctionnalisme dont vous avez parlé. Plus tard, avec Lévi-Strauss, le structuralisme. Ensuite, le postmodernisme. Donc, l'anthropologie, elle est souvent influencée par les courants de pensée au moment où l'anthropologue s'exprime. Alors, l'évolutionnisme est une chose, mais aujourd'hui, heureusement, L'anthropologue n'est plus du tout dans cette démarche-là, et j'ai beaucoup apprécié la deuxième partie de votre intervention où vous avez montré que, à travers un, une question précise, l'anthropologue toujours, part toujours du terrain et de ce que les gens pensent sur le terrain. Ensuite, il essaye, après la description, de, de trouver une réponse, mais à travers ce que les gens disent sur place. Et il n'est plus dans la démarche de venir avec une idée occidentale, personnelle. Euh, il essaie d'être le plus, entre guillemets, neutre possible. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment une question de, de partage d'informations. Alors il a peut-être aussi un regard extérieur, ça c'est normal, euh, qu'il peut donner avec beaucoup d'humilité, sachant que la vérité n'est jamais une. Et certaines, il n'a toujours qu'une petite partie de la réalité des choses. Mais ça, c'est comme dans beaucoup de disciplines. Et puis la deuxième question que je voudrais vous poser, euh, est-ce que le chef, alors ça, c'est peut-être l'influence de Maurice Lénard, est-ce que le chef n'est pas d'abord un étranger, et ensuite, est-ce qu'il n'est pas le grand frère, le grand frère euh, protecteur Donc là, il me semble que... Euh, son autorité vient du fait qu'il est le grand frère, plutôt qu'une une autorité de pouvoir. Enfin, je suis peut-être influencé par, euh, par ce qu'a pu dire Maurice Lénard, c'est possible. Merci. Merci de vos questions. Euh, pour ce qui concerne la, la, la première volée de questions, parce qu en fait, il y en a plusieurs là aussi dans la, dans la question que vous posez, je suis assez en désaccord avec vous. Euh, je suis à désaccord avec vous parce que effectivement, si on appelle la théorie évolutionniste ou la théorie fonctionnaliste, c'est daté. Mais dans la pratique, quand on est dans la comparaison, on s'aperçoit que ce n'est pas daté du tout, ça continue. Et par exemple, je lisais encore un bouquin d'initiation à l'anthropologie économique euh, il y a, qui a été publié il y a, a 3-4 ans, où on nous expliquait le mode de production domestique, le mode de production comme ceci, le mode de production comme ça. D'ailleurs, on refabrique des boîtes cest on n'est pas en train d'interroger la, la dynamique propre de ces sociétés et les utiliser comme des questionnements. On remet les choses dans des boîtes. Le marxisme, qui a été dominant pendant très très longtemps euh, en anthropologie, jusque dans les années 90, est euh, ben, fini, mais il, il faisait des boîtes. Il faisait des boîtes, des modes de production, des choses comme ça. Lévi-Strauss, qui vous, savez, vous parle de société froide et de société chaude. C'est bien des boîtes. Comme s'il y avait des sociétés qui étaient imperméables à l'histoire. Je veux dire, nous, ce qui nous intéresse, si on veut opposer des mythes à l'histoire, c'est de nous apercevoir qu'il y a de l'histoire, bien entendu, dans toutes les sociétés. Simplement, l'histoire n'est jamais, même comme discipline, séparable d'une cosmologie. Et que quand on fait un récit historique, créer une histoire réellement scientifique, y compris dans nos propres sociétés, en échappant aux mythes, c'est difficile, puisqu'en vérité, c'est une foutitude de récits qui sont là. Comment on fait Donc nos récits historiques, on part de mythique. Et inversement, les mythes, ou ce que nous appelons les mythes, parce qu'on compare qu de façon un peu bateau avec la, la mythologie grecque, avec des, des analogies comme ça, ben, on est sur des, euh, sur des, des catégories qui... Euh, ben, C'est de l'histoire, en vérité. Et on s'aperçoit qu'il y a de l'histoire derrière ces choses-là. Donc, en vérité, il faut sortir de ces éléments-là et de ces boîtes parce qu'on continue à les fabriquer aujourd'hui. Et le fonctionnalisme et l'évolutionnisme dont je parle, ce n'est pas les théories dont je parle, c'est la caractéristique des boîtes que nous fabriquons. Quand Malinowski dit aux évolutionnistes « Allez, on arrête, vous êtes en train de faire de l'histoire conjoncturale, euh, euh, c'est conjonctural, pardon, euh, c'est pas vrai, en vérité, euh, euh, vous pouvez pas savoir l'évolution des sociétés, puis d'ailleurs, on connaît pas l'histoire, c'est trop obscure. donc regardons comment ça fonctionne, précisément. » Mais comment ça fonctionne euh, ben, Ça fonctionne avec euh, des contraintes qui sont chez Malinowski, c'est des besoins fondamentaux, les sociétés, les fonctions, c'est la satisfaction d'un certain nombre de besoins et les institutions notent, naissent de la satisfaction de ces besoins. Puis après, on s'aperçoit que bah, oui, bah, c'est quand même un peu évolutionniste, même s'il ne le dit pas, parce que, bien entendu, il y a des façons plus ou moins complexes de satisfaire ses besoins. Et on va réintroduire l'évolutionnisme. Il est bien évident que euh, le, les classifications évolutionnistes elles-mêmes étaient déjà fonctionnalistes, puisque d'une certaine manière, elles admettaient qu'on classait en fonction de l'infrastructure techno-économique, c'est-à-dire de choses qui étaient liées à l'utilitarisme. C'est des visions utilitaristes des choses. Et on s'aperçoit que les anthropologues, encore aujourd'hui, lisez un manuel de sociologie de base, eh ben, on continue à nous fabriquer des boîtes, des types de sociétés, types de sociétés ainsi, etc. Je trouve ça sans intérêt, et je trouve ça même dangereux, parce qu'en fait, on est en permanence en train de mettre les gens dans des boîtes, ce qui ne facilite surtout pas le dialogue avec les gens. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la comparaison, en fait, c'est la poursuite de dialogue que l'anthropologue a sur le terrain pour essayer de, de, de créer un dialogue, j'allais dire des cultures, mais qui soit un dialogue où les cultures nous interrogent. J'ai ici Bernard Rigaud, dont je voulais parler tout à l'heure, puis j'ai vu le temps qui passait, donc j'ai un peu chuinté, mais tout le travail de Bernard Rigaud, qui est à la fois anthropologue et philosophe, va consister à prendre les catégories philosophiques, qui sont les catégories philosophiques de la, de la société occidentale, et à les interroger à partir de l'anthropologie à se dire en quoi la compréhension que je peux avoir, et lui il a travaillé surtout dans les sociétés polynésiennes, et notamment en Polynésie française, en quoi la compréhension que je vais avoir d'un certain nombre de phénomènes de ces sociétés-là viennent interroger mes catégories qui me paraissent être des catégories évidentes, voilà, des catégories de l'entendement. Est-ce que je peux prétendre absolument à la vérité alors qu'il y a l'autre Et à ce moment-là, on crée des questionnements mutuels entre les sociétés. Et il me semble que c'est le rôle de l'anthropologie, c'est le point important. La deuxième question sur le grand chef. Oui, le grand chef, il peut être appelé Mahama, par exemple, grand frère. C'est une des possibilités. On peut aussi l'appeler, euh, je dirais, Pagun Menhain, c'est-à-dire petit-fils et fils. C'est deux des appellations qu'on utilise quand on est avec le grand chef. Mais pour pouvoir utiliser ça, comment on fait Parce que, je veux dire, ce n'est pas un lien de filiation réel. Le grand chef, il n'est pas du tout, à aucun moment, il est un étranger au départ. Et Comment on va transformer cet étranger en parent? Il y a plusieurs manières de le faire, et il y en a deux qui sont assez simples que je vais essayer de reporter dans une société qui est dite patrilinaire, même si là aussi je n'aime pas beaucoup ce terme. La première, c'est de faire que, en le faisant d'une certaine manière, épouser une fille de chef, sa descendance va être du sang des gens de la Terre. Et donc, d'une certaine manière, il doit la vie aux gens de la terre, même s'il les a conquis, il doit la vie à ces gens là. Et ces gens-là, avec en plus ses propres alliés qui l'ont aidé à conquérir, ils vont ensuite faire une sorte de cérémonie d'investiture comme s'ils adoptaient le chef en lui donnant un nom. Et qui donne un nom dans la société ben, C'est le père. Et donc s'il est à la fois du sang de la chefferie précédente et en même temps du nom avec des noms qui lui sont donnés par les gens qui viennent là, il devient d'une certaine manière le petit-fils et fils de ceux qui lui ont donné ces noms. Et comme effectivement la, pater, la, la, la parenté se pense sur le régime de la germanité pour une bonne partie dans ces sociétés-là, il devient aussi le premier de tous les frères, un grand frère. Mais pour que ça puisse être ça, il a fallu la fabriquer, la chefferie. Et cette chefferie-là suppose des rivalités, etc., suppose un fonds cosmologique commun. Et ça ne se comprend que quand on prend le Pacifique comme un tout et qu'on voit comment chaque société va gérer un certain nombre d'enjeux qui sont les mêmes, comment on ramène la vie. Comment on conserve la puissance, euh, comment euh, on, on, on reconduit l'ordre du monde, etc. La chefferie est une de ces réponses-là. Big Man en est une autre. Pourtant, sur un fond commun, un fond cosmologique commun. Quel serait alors euh, euh, l'anthropologue ou les anthropologues euh, de qui vous seriez le plus proche, peut-être, tout en les contestant Je ne comprends pas bien votre question. <laughs> euh, euh, bon, moi, je suis, je suis débutante, hein, mais oui. il y a quelques anthropologues qui sont pour moi euh, des maîtres, entre guillemets, et même euh, parmi les jeunes euh, anthropologues aujourd'hui, quand euh, Benoît Trépied parle de décolonisation de la recherche, en particulier en Nouvelle-Calédonie. Euh, au point où Bensa dit que lui-même a subi dans sa carrière d'anthropologue un choc affectif après les événements. Euh, je trouve que l'anthropologie en Nouvelle-Calédonie doit être menée de façon très particulière, hein. euh, un peu, il faut, il faut contextualiser, hein. décoloniser c'est contextualiser, donc, euh, enfin, moi je m'inspire de Benoît Trépied pour l'instant euh, ça c'est pas mon cas mais c'est pas très grave euh, bon, je suis débutante hein, euh, mais... je, 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 je pense que euh, tous les anthropologues sont mes maîtres ils ont tous apporté quelque chose dont je vais m'inspirer ils sont tous mes maîtres mais ça ne m'oblige pas euh, sous prétexte que je trouve que Pasteur c'était très bien en, en biologie de continuer à, à répéter ce que Pasteur dit donc euh, voilà, moi je suis à une certaine étape et l'un des éléments de la critique, c'est notamment, euh, je dirais, le, euh, la, 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 la critique de, euh, de, de cette comparaison qui est, à mon avis, évolutionniste. Maintenant, si je prends Benoît Trépied, je pense que c'est fondamentalement quelqu'un qui reste aujourd'hui sur la base d'un individualisme méthodologique auquel je ne peux pas participer. Je ne veux pas à la fois jouer l'individu contre la société et la société contre l'individu. Je veux les tenir les deux. Et moi, je trouve que chez Benoît Trépied, il y a un individualisme méthodologique qui est aujourd'hui assez patent dans la manière dont est embaragué le, le débat sur le, sur le droit coutumier, etc., puisque c'est une chose qui euh, est prétendue, avec lequel je suis profondément en désaccord. Voilà. Je pense qu'on ne doit pas opposer l'individu et le droit coutumier. Quand on commence à faire les choses comme ça, on prend des risques. Et on n'est justement pas dans la, dans le truc, on est dans la classification. Et la classification, on dirait, ah, le droit coutumier inspiré par la coutume bouffe les droits des individus. Quand on commence à penser comme ça, à opposer les choses, au lieu d'essayer de comprendre quelle est la compatibilité qu'elles peuvent avoir, on crée de l'adversité et, euh, et on crée des modèles qui restent des modèles évolutionnistes. Encore un petit effort, les Canaks, pour pouvoir euh, devenir euh, réellement des citoyens et des individus au sens occidental du terme. Je ne suis pas d'accord. Bonsoir. Euh, euh, C'est juste pour revenir sur euh, les échanges de femmes. Je voulais savoir si vous pouvez nous donner un mot sur euh, euh, le mariage ou enfin, les échanges de femmes, le mariage dans le, le chemin des richesses. Je ne suis pas sûr de bien saisir Parce votre, que euh, votre question. J'avais. Euh, je n'ai pas, pas lu le, le truc en entier, mais euh, en, en m'adressant à la, 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 la chose ton soir, ouais. dans, euh, dans ce que Dubois décrivait comme le chemin des richesses. Ah oui, d'accord. Il, il, il le mot qu'il avait utilisé, c'était l'ami, qui était euh, un, de marée. Et l'ami voulait dire euh, euh, l'échange de richesses, mais aussi l'échange de femmes que dans ce chemin récèche, Alors là on, sens... on tombe sur des spécificités euh, et ça fait un moment que je ne me suis pas plongé dans le père du bois pour, euh, pour décrire ça. Et il me semble qu'il est euh, important de comprendre que euh, le mariage est conçu dans beaucoup de sociétés au monde, pas partout, mais, mais majoritairement comme une forme d'échange. Et que euh, ce qu'on appelle l'échange de sœurs ou le mariage des cousins croisés ou, euh, ou de, ce qui sont des formules où il y a une femme donnée doit être une femme doit être rendue alors euh, immédiatement en même temps simultanément ou au contraire euh, euh, plus tard. Mais en même temps, ces mariages ne se font pas n'importe comment. Ils suivent un certain nombre de chemins. Et ces chemins, pour certains, sont euh, des chemins qui sont liés, je dirais, à chaque clan particulier. Et puis il y a des chemins qui relèvent de chemins qui sont des chemins, on pourrait dire, de liens entre les chefferies au-delà des individus, et qui sont des chemins qu'on pourrait appeler dynastiques. Si vous voulez, on sait encore aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de princes qui épousent des, euh, des roturières, qu'à une époque, on se mariait dans ces chemins dynastiques. Et bien entendu, les chemins dynastiques avaient des modes de richesse qui n'étaient pas les mêmes que les chemins individuels. Si vous prenez, par exemple, les coutumes traditionnellement qui sont faites au moment de la naissance d'un enfant de quelque statut qu'il soit, vous allez avoir un certain nombre de richesses traditionnelles que des nattes, telles que des monnaies de perles de coquillage ou de perles végétales qui vont être données. Il peut y avoir des jupes enroulées. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Quand c'était des mariages dynastiques on avait des richesses qui correspondaient à ces mariages dynastiques. c'était à la fois les mêmes richesses que pour l'ensemble des personnes, donc les nattes, on va retrouver tout ça. mais il y a des richesses spécifiques qui sont liées à ces mariages dynastiques et qui elles ne sont pas fabriquées par, euh, par exemple, chaque chefferie dans le nord a au moins un, euh, un, un clan qui fabrique la monnaie. à vrai dire, la plupart du temps, il y a plusieurs types de monnaie et il y a donc plusieurs clans qui fabriquent ces différents types de monnaies. mais il y a au moins un clan fabricant de monnaie. Par contre, les monnaies, les richesses qui sont liées à ces grands mariages dynastiques n'étaient pas fabriquées n'importe où et par n'importe qui. Il y avait une division, j'allais dire, géographique du travail, pour, pour, pour simplifier. Et dans cette division géographique du travail, on savait, par exemple, qu'il y avait deux richesses tout particulièrement importantes. Euh, qui étaient les, ce que vous avez appelé les haches ostensoires, qui sont ni des haches ni des ostensoires, mais ça c'est la tradition qui appelait ça, ce sont des casse-têtes de, de pierre. Euh, et ces, ces casse de pierre étaient fabriquées avec un jade qui ne se trouvait qu'à un seul endroit, c'est-à-dire loin et le sud de la Grande Terre. Et c'était effectivement les chefferies du sud de la Grande Terre, et notamment la chefferie de loin qui fabriquaient les disques de jade. Lesquels disques de jade Les décrit déjà ça. Du bois va complexifier un peu la chose, partait ensuite se faire emmancher à l'île des Pins, de l'île des Pins partait sur les îles Loyauté pour simplifier, des îles Loyauté arrivaient sur la côte Est, puis de la côte Est traversait la chaîne pour arriver jusque sur la côte Ouest. Alors c'est un peu simplifié, mais c'est un peu ça. En échange de ça, il y avait des, des gens qui fabriquaient des brassards, qu'on appelle un gouroutes, c'est-à-dire des bracelets qui étaient faits en cône, dans des gros cônes. Qui euh, étaient euh, taillés, euh, polis pour avoir la belle couleur blanche et qui n'y plus de taches sur le cône. On leur accrochait du poil de roussette, etc. Et ces biens-là, qui étaient considérés comme eux féminins, partaient dans l'autre sens et arrivaient jusque dans le sud, en passant dans le sens inverse de ces âges. Bon, ils étaient échangés. Et donc, ces chemins-là étaient aussi les chemins des mariages dynastiques. C'est-à-dire que. Euh, en partie, ces mariages dynastiques suivaient ces chemins-là, c'est-à-dire qu'il y avait des, des chemins traditionnels entre Lifou, euh, les chefferies de Lifou et Douvéa, notamment par exemple à la chefferie d'Ienguène. Il y avait moins de mariages sur Marais, mais il y avait aussi ces mariages-là. Il y avait aussi des mariages sur les Belleps, il y avait aussi des mariages jusqu'à l'île des Pins dans, dans la région d'Ienguène. Et ces chemins qui étaient là, qui étaient les chemins donc matrimoniaux, dynastiques de ces chefferies-là, étaient aussi les chemins de circulation de ces richesses. C'est-à-dire que je vous ai décrit un mouvement global, mais en vérité, il demande à être segmenté et pris en compte pour chaque chefferie particulière quels étaient ces chemins. Ces chemins dynastiques sont aussi les chemins de. de, de. Alors aujourd'hui, bien entendu, ces objets ne circulent plus, ou alors de façon très exceptionnelle. Euh, je jamais vu circuler de hache ostensoire. J'ai vu encore circuler euh, des, des bracelets de cône, mais uniquement dans un cas. Qui était le mariage d'une fille aînée de la chefferie Boirat, qui, au moment où elle est morte, alors on a sorti un de ces coquillages-là, et on a mis la monnaie, les monnaies traditionnelles de perles, on les a enchassées dans ce, dans ce gouroute et euh, c'était un présent très très important. Et donc là, on voyait qu'il y avait une strate de plus qui était amenée. Donc les chemins des richesses, c'est un peu ça. Alors je, je suis obligé de résumer, parce que ce n'est pas le sujet de la conférence de ce soir, mais c'est vrai que. Si vous voulez, il y avait deux types d'échanges, de, de, deux types de richesses, deux types de mariages, deux types de liens, de liens entre les clans, les liens passant par les sujets, les liens passant par les chefs, et donc des, des circulations de richesses, des circulations de femmes qui n'étaient pas les mêmes dans les deux cas. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais oui, merci. je vous en prie. Euh, bonsoir Patrice. Bonsoir, tu as parlé, tu as dit que les, la mer était donneuse de vie dans les sociétés mélanésiennes et euh, polynésiennes, donc globalement océaniennes, euh, austronésiennes. Et euh, tu n'as pas précisé ce que tu entendais exactement par donneuse de vie, c'est-à-dire transmission du sang, transmission du lignage, je pense. Hein euh, si on compare, si on met tout ça dans une boîte et qu'on compare avec une autre boîte, la boîte occidentale, où on considère que c'est le père qui est donneur de vie par, par sa semence, euh, est ce qu'on ne peut pas justement faire des comparaisons utiles, sachant que pendant des milliers d'années en Occident, on a dit que c'était l'homme qui donnait la vie, depuis Adam, hein, qui a donné la vie à Ève à partir d'une de ses côtes? Et puis euh, en, en Océanie, dans le Pacifique, qui est quand même une grande surface sur la planète, où on a dit que c'était la mer qui donnait la vie, et à partir, euh, à partir de là, euh, pendant des milliers d'années, donc une partie de la planète qui a cru une chose, l'autre partie qui a cru dur comme fer aussi, si je puis dire, euh, autre chose, et que finalement, on sait maintenant scientifiquement, comme tout le monde le sait, que chacun donne <laughs> une, une moitié de la vie, euh, chacun. Hein et euh, donc on se retrouve justement, l'exemple des boîtes que tu utilises quand tu critiques un peu la mise en boîte, si je puis dire, de, un peu trop facile, euh, là on arrive justement à une démonstration de ce que tu dis, qu'une boîte est une boîte, et finalement c'est ce qu'il y a entre les deux boîtes qui est la vérité. Qu'est-ce qu que tu penses de cette, euh, ce point de vue — Alors euh, c'est une question à la fois intéressante et en même temps qui demanderait tellement de, de temps pour pouvoir en débattre. Euh, quand je dis que la mère est donneuse de vie euh, dans le monde kanak et que je dis que la, le père est donneur de vie dans euh, le monde occidental, je parle absolument pas de la même chose. Quand je parle du, de la mère donneuse de vie, elle donne le sang. Ce sang va donner toutes les parties vitales de la personne... Il euh, y a des endroits où elle donne tout le corps, absolument tout, sauf le nom, parce que l'appartenance au lignage, c'est justement le père, sauf si bien entendu, le père n'a pas fait les gestes qu'il fallait et que la mère garde l'enfant à l'intérieur de son clan. Mais sinon, l'enfant va être donné au clan du père, et ce que le, le, le père apporte, c'est uniquement l'ancrage lignagé, on va dire, euh, ou clanique. Qui, euh, qui va être donné par l'intermédiaire de la coutume, où il demande le droit de prendre l'enfant, de lui donner un nom, il enfin, y, y a toute une série là-dessus. Et cette vie qui est donnée et qui se matérialise par le sang, elle participe d'un ensemble cosmologique qui est beaucoup plus grand que simplement donner le sang, au sens où euh, on donnerait, euh, je dirais, des, gam des, des gamètes, où, euh, donner, euh, puisque ce sang, ensuite, par exemple, va nourrir la terre. Et qu'en nourrissant la terre, il va nourrir le sol qui va permettre la poussée des ignames qui viennent du pays des morts, etc. C'est-à-dire que dès que je vais décrire la, la vie dans le monde canac, je vais décrire un grand cycle cosmologique dans lequel les femmes ont une place tout à fait particulière. Dans euh, le cas euh, d'honneur de, de vie des hommes, euh, c'est un modèle, alors pour cette fois réellement patriarcal, où euh, l'homme est celui qui, euh, d'une certaine manière, décide un peu de tout. Bien. Mais cette vision-là, euh, bien entendu, va être sensible chez nous à la vision biologique. Parce que justement, la conception de la vie que nous avons est une conception très matérialiste, très biologique des choses, très organique des choses. Or, dans le monde kanak, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, euh, la, la, la solution qui consiste à dire bah, les hommes euh, euh, donnent une partie. Mais, oh, on décide du sexe, hein, quand même. Nous qui décidons du sexe, les femmes, elles, euh, donneraient l'autre moitié de vie, mais celles-ci ne décident pas du sexe. Bon Et dans cette affaire-là, ça satisfait peut-être une certaine distinction parce que ça vient en même temps que, euh, je dirais, une remise en cause progressive, lente, sans doute trop lente, du statut domination des hommes qui trouvait dans cette biologie-là une partie de sa de sa justification et qu'en vérité, ben, on se dit, tiens, c'est bien, il y a un partage des deux et aujourd'hui, il faudrait partager, que les hommes et les femmes soient plus égaux, etc. Et ça rentre dans ce débat-là. Dans le monde Ganat, le fait qu'il y ait l'embryon de ceci ou l'embryon de cela, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose J'en suis pas sûr. Parce que le sang dont il est question-là, il ne se résume pas à l'ovule. À, à il est justement quelque chose qui est de l'ordre d'un rapport à la vie. Que seuls les maternels peuvent avoir et qui, lui, euh, est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, la, si ça apporte un certain nombre de réponses, le biologique, à la société occidentale, je ne suis pas sûr que ça fasse bouger d'un seul poil euh, les, les coutumiers cadacs ou les océaniens en général qui vont se dire Ah ouais, bien, notre système, euh, il était un peu fautif parce qu'en vérité, euh, alors, euh, le, le, le sperme du père, il a quand même un rôle dans la conception. En vérité, euh, quand les Européens sont tombés sur cette histoire de vie, il y a eu euh, quelque chose qui a existé aussi chez les aborigènes d'Australie, qu'on a eu, c'est Lennart qui a dit ah, les Kanaks ne connaissaient pas le rôle du père. Ils ne savaient pas que le père il avait un rôle dans la, dans la conception. Mais c'est une absurdité totale. À ce moment-là, pourquoi les femmes Kanaks euh, auraient empêché leurs filles d'aller avoir des rapports sexuels si les rapports sexuels ne servaient pas à faire des enfants pourquoi elle surveillait la morale des filles C'est bien entendu qu'elle savait que si elles allaient avec les garçons, elles allaient faire les choses. Le problème, c'est ensuite quel est le poids de chacun dans l'acte sexuel Pour faire des enfants, il faut des hommes. Et les canacles le disent aussi. Simplement, qu'est-ce que va apporter l'homme dans l'acte sexuel Il apporte des choses, mais qui ne sont pas identifiées à la vie. Voilà. Nous, nous l'identifions à la vie, mais à une vie qui n'est pas la même du point de vue cosmologique. Donc je ne suis pas du tout sûr que ça fasse bouger les choses. Et je ne crois pas que. En plus d'une société, ça c'est encore autre chose, puisse se construire sur une vérité biologique. Elle peut, de façon fantasmatique, penser que la biologie donne la réponse. Mais en vérité, les sociétés, c'est autre chose qui se joue. Et d'ailleurs, on est bien d'accord que la paternité dans le monde européen, malgré cette chose-là, n'a pas grand-chose à voir avec le biologique. Et que ce n'est pas parce que j'ai envoyé mon... Mes, mes, mes spermatozoïdes que je suis le père d'un enfant qu'il va falloir quelque chose de plus compliqué voilà à tel point que par exemple aujourd'hui on pourrait imaginer que au lieu de vouloir gommer le père biologique dans le don du, de sperme par exemple qui est là on puisse admettre qu'il faudrait distinguer la mère qui a porté l'enfant peut-être fourni l'ovule à moins qu'elle ait emprunté un ovule ailleurs le père il serait celui qui élève l'enfant, et puis une tierce personne qui ne serait pas le père socialement, mais quelqu'un qui a aidé le couple et qui a un statut social parce qu'il a aidé le couple à, à, à accéder à la paternité, à la parentalité. Voilà. Est-ce qu'il faut absolument voilà. Donc on voit que des réalités biologiques, on ne fait pas de la société avec. Bien, il, se, il se fait tard et je crois qu'on va clore ici. Il y a un certain nombre d'auteurs qui, qui ont été cités par Patrice Gaudin ce soir. Je vous invite bien évidemment à venir à la médiathèque pour consulter leur, leurs ouvrages. Il y a pas mal de choses à, qui, sont, qui sont présentes. Alors, je le dis souvent, on est ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h. Et par ailleurs, je vous invite à, à revenir dès la semaine prochaine pour une pièce de théâtre qui s'appelle « Ecclesia ». Autour de la démocratie, et où je cite euh, comment on fait quand il n'y a plus de chef. Voilà, merci à vous.